Bien, chers collègues, je salue les membres présents dans l'hémicycle et je salue également nos collègues, les nombreux collègues qui nous suivent à distance et qui sont connectés. Bonjour à toutes et à tous. Je déclare ouverte la séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale du vendredi 12 février 2021. Et déclare de plénière gathering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van vrijdag 12 février 2021 geopend. Alors, chers collègues, diverses communications ont été faites au Parlement par la Cour constitutionnelle. Elles figureront au compte-rendu intégral de la séance. Divers arrêtés ont été transmis au Parlement par le gouvernement. Ils figureront également au compte-rendu intégral de notre séance. En application de l'article 88 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, le service public régional de Bruxelles nous transmet une série d'arrêtés et décisions. Ils figureront également en annexe du compte-rendu. Chers collègues, je suis saisi d'une demande de levée d'immunité parlementaire à charge d'un membre du Parlement. Conformément à l'article 43 du règlement, je vous propose de renvoyer ce dossier à la commission des poursuites constituée sur la base de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques. Krachten hetzelfde artikel van het reglement wordt de commissie samengesteld uit 15 leden, 3 leden van de PS-fractie, 2 leden van de Ecolo-fractie, 2 leden van de MR-fractie, 2 leden van de Defi-fractie, 2 leden van de PTB-fractie, 1 lid van de CDH-fractie, 1 lid van de Groen-fractie, 1 lid van de NVA-fractie en 1 lid van de Open VLD-fractie. Les présidents des groupes politiques m'ont communiqué les noms des membres qui représentent leur groupe au sein de cette commission. Il s'agit pour le Parti socialiste de M. Julien Uttendahl, Mme Fadila Lahanan et M. Marc-Jean Gessels. Pour le groupe écolo, il s'agit de Mme Zoé Genot et de M. Tristan Roberti. Pour le MR, il s'agit de Mme Alexia Bertrand et de M. Vincent De Wolf. Pour le groupe Défi, il s'agit de M. Emmanuel De Bock et M. Marc Lovenstein. Pour le PTB, il s'agit de M. Petia Obolensky et M. Van Kouwenberg. Pour le CDH, il s'agit de Mme Céline Frémaux. Voor Groen, de heer Juan Benjumea Moreno. Voor de NVA-fractie, de heer Gilles Verstraten. Voor de Open VLD-fractie, de heer Guy Van Engel. Cette commission sera convoquée d'ici peu en vue de désigner son président, un rapporteur et de fixer un ordre des travaux dans le dossier sous rubrique. Par lettre du 27 janvier, la Cour des comptes transmet sa réponse au courriel du 5 janvier 2021 de Mme Viviane Teitelbaum dans le cadre du droit de regard et d'information des parlementaires, renvoie à la Commission des finances et des affaires générales. Par courriel, le secrétaire d'État à la région chargée de l'urbanisme, du patrimoine, des relations européennes, du commerce extérieur transmet, en application de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, l'exportation, au transit et au transfert des produits liés à la défense, d'autres matériels pouvant servir à un usage militaire, le matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, le rapport semestriel couvrant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 inclus, renvoie à la Commission des finances et des affaires générales. Chers collègues, le greffier du Parlement, M. Patrick Van Lemputen, cessera d'exercer ses fonctions le 20 juillet 2021. L'Assemblée plénière doit veiller à sa succession, conformément à l'article 126 du règlement du Parlement et aux dispositions du statut administratif du greffier et du greffier adjoint. Ces deux dispositifs ont été adoptés lors de la séance plénière du 29 janvier 2021. Lors de sa réunion du 10 février, le bureau du Parlement a adopté la description de la fonction, les conditions d'admission spécifiques, ainsi que le profil et les compétences techniques et comportementales nécessaires pour la fonction de greffier et greffier adjoint, greffier-greffière. Je vous propose de marquer notre accord sur le lancement par le bureau de l'appel à candidature pour la fonction de greffier-greffière. Ik stel u voor om in te stemmen over de opstarting door het bureau van de oproep tot kandidaten voor de functie van griffier. Geen bezwaar? Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. Ja, meneer Verstraten, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wou gewoon nog eens de opmerking maken. Het is dus zo dat kandidaten om griffier of adjunct griffier te worden, dat die moeten aantonen dat zij over een voldoende kennis van de tweede officiële landstaal beschikken, die andere is dan de taalrol waartoe zij behoren. En dat is uiteraard een toelaatbaarheidsvoorwaarde om kandidaat te zijn voor een van de twee hoogste functies in de administratie van ons parlement. Dat is tout court een functie voor een voorwaarde om toe te treden tot de administratie van ons parlement. Maar ik vind wel, eerlijk gezegd, dat zeker voor de hoogste functie, dat dit meer zou mogen zijn dan zuiver een toelatingsvoorwaarde, een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor uw kandidatuur. Maar dat eigenlijk ook in de vergelijking zou moeten meegenomen worden tussen de kandidaten. Wat niet het geval is in de procedure die nu voorligt. Nu, ik weet dat dit de normale gang van zaken is in principe voor de aanwervingen binnen onze administratie. Van zodra dat een voldoende taalkennis is aangetoond, wordt men overwogen als kandidaat en wordt de vergelijking tussen verschillende kandidaten op basis van andere elementen gemaakt. Maar ik vind zeker voor de hoogste functie in onze administratie dat men daar toch echt het goede voorbeeld moet geven. Wat tweetaligheid betreft toch een belangrijk aspect aan onze stad. En dat dat dus ook zou moeten meegenomen worden in de vergelijking tussen verschillende kandidaten. Voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat dat voor mij het doorslaggevende element moet zijn over wie wij juist aanwerven als de nieuwe griffier. Maar ik vind het wel een belangrijk element dat dus in de vergelijking zou mogen opgenomen worden. Dat is een opmerking die ik gewoon wou maken. Uiteraard wil ik niet de kandidatuurstelling tegenhouden of blokkeren. We moeten inderdaad binnen de correcte termijn een nieuwe griffier vinden. Maar ik vind dat we daar toch eigenlijk rekening mee zouden moeten houden in de vergelijking en dat we dan misschien moeten overwegen of we dat niet zelfs algemeen als vergelijkend element in de aanwervingsprocedures in ons parlement moeten meenemen. Voilà, ik heb gezegd, meneer de voorzitter. Dank u, meneer Verstraeten, voor uw tussenkomst. Simplement redire, hein, on a eu cette discussion au bureau, que le bureau s'est évidemment déjà prononcé et, je le rappelle, c'est une compétence du bureau de fixer la description de fonction de ce qui a été fait. Mais j'entends votre remarque par ailleurs, comme vous êtes au bureau, vous pourrez par vous-même évaluer le niveau de connaissance linguistique. Donc, mais j'entends votre remarque et vous aviez d'ailleurs très élégamment annoncé que vous alliez vous exprimer en séance plénière. Et donc je vous remercie. Y a-t-il d'autres observations ? S'il n'y en a pas, le bureau du Parlement se réunira à l'issue de la séance plénière de ce matin en vue de procéder à l'appel aux candidatures. Donc avis à tous les membres du bureau, on se retrouvera en principe à 13h30 en visioconférence, un lien vous sera envoyé. En sa réunion du 6 janvier 2021, le bureau élargi a déclaré recevable la proposition de plusieurs groupes politiques tendant à constituer une commission délibérative chargée de formuler des recommandations à propos de l'implémentation de la 5G en région de Bruxelles-Capitale. En sa réunion du 3 février 2021, le bureau élargi a décidé de soumettre au Parlement la proposition de constituer une commission délibérative composée de 45 citoyens tirés au sort et de 15 membres de la Commission de l'Environnement et de l'Énergie qui sera chargée de formuler des recommandations sur la thématique suivante. La 5G arrive en Belgique. Comment voulons-nous que la 5G soit implantée en région de Bruxelles-Capitale en tenant compte de l'environnement, de la santé, de l'économie, de l'emploi et des aspects technologiques ? Vijfgeer komt naar België. Hoe willen we dat 5G wordt uitgerold in het Brussels hoofdstedelijk gewest, rekening houdend met het leefmilieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologische aspecten? Geen bezwaar, pas d'observation. Je vois des mains qui se lèvent. Je vais commencer par Madame Bertrand. Si, Monsieur le Président, Clémentine Barzin de notre groupe souhaitait prendre la parole D'accord. sur ce point. Mais je vais voir si elle souhaite le faire au moment du vote ou maintenant. Comme elle le souhaite. Madame Barzin, vous souhaitez intervenir maintenant ou au moment du vote ? Écoutez, Monsieur le Président, je m'en remets à vous. Je pense que c'est peut-être intéressant de le faire au moment de cette discussion, si d'autres parlementaires le souhaitent également.
Je propose que vous le fassiez maintenant, alors, parce qu'il y a deux autres collègues qui souhaitent intervenir. Vous avez la parole, Madame Barzin. Je rappelle aux autres collègues qui sont à distance de bien veiller à couper leur micro. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Et j'ai vu que Madame Plovy aussi souhaitait intervenir. Madame Potier, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Merci. Super. Donc, 5 minutes, Monsieur le Président, parce que ce n'était pas très clair. Vous pouvez prendre la parole, Madame Barzin. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, le 22 décembre 2020, il y a donc à peine 7 semaines, la Libre nous indiquait dans son dernier baromètre que seuls 15% des sondés donnaient une bonne note aux gouvernements régionaux dans la gestion de la crise sanitaire. Face à l'enjeu de la défiance du citoyen à l'égard des institutions, le politique se doit d'apporter des réponses efficaces, d'être exemplaire, mais aussi d'augmenter la capacité de relayer plus directement les préoccupations citoyennes. Nous croyons dans l'outil des commissions délibératives mixtes comme un des moyens de ce relais citoyen. Nous l'avons souligné à plusieurs reprises. Nous voulons aussi que cet outil soit solide, sérieux et le plus ouvert aux citoyens. Or, aujourd'hui, ces critères ne sont pas rencontrés de façon optimale. Je le disais, pour nous, le citoyen doit être central et nous avons plaidé pour que la première commission délibérative mixte se penche sur un sujet d'origine citoyenne. C'est une question de symbole et de crédibilité du dispositif à l'égard du citoyen. Au lieu de ça, la proposition de décision qui nous est soumise aujourd'hui est d'installer la première commission délibérative sur un sujet d'origine politique, la 5G. Pour stimuler l'arrivée des suggestions citoyennes, le Vademecum prévoyait des campagnes de communication, print et médias. Il prévoyait aussi une plateforme internet, démocratie.brussels. Or, celle-ci, promise pour l'automne, n'est toujours pas active. Dès lors, pour les deux seules commissions délibératives de 2021, seule la voie papier était possible pour les citoyens et heureusement, un sujet d'origine citoyenne sur un enjeu important, le sans-abrisme, va être traité dans un second temps. Mais quelle occasion manquée en termes d'adhésion, d'émulation, de stimulation citoyenne que de n'avoir pas informé plus largement les Bruxelloises et les Bruxellois, de n'avoir pas permis aux nombreux citoyens qui l'auraient souhaité d'être candidats, notamment à travers la plateforme démocratie.brussels, véritable pilier du dispositif. Je pense par exemple aux citoyens proches de la friche Josapha, dont la suggestion a été refusée car elle est arrivée une semaine en retard. Mais au début janvier, cela était la règle du premier arrivé, premier servi, et la majorité a privilégié la suggestion d'un groupe politique écolo. Ce qui se passe aujourd'hui est dommage et sans doute dommageable. Pour que cela ne se passe plus en 2022, nous vous soumettrons prochainement une proposition de modification du règlement relatif aux commissions délibératives et à leur vademécum. Par cette proposition, nous voulons garantir une participation égalitaire aux citoyens par deux éléments. D'une part, en introduisant deux périodes d'examen des demandes, une par semestre, avec des échéances claires et connues pour le dépôt des demandes. D'autre part, en permettant de départager les suggestions citoyennes en fonction de critères précis, comme le nombre de signatures ou le lien avec l'actualité. Nous votons aujourd'hui un calendrier des travaux de la commission délibérative avec un premier tirage au sort ce lundi 15 février. Mais aucune procédure n'est par ailleurs mise en place pour la protection des données personnelles des citoyens une fois qu'elles seront dans les mains du Parlement. Comment organise-t-on par exemple le droit à l'oubli concernant ces données personnelles détaillées? Enfin, aucun plan B n'existe à ce jour en cas de poursuite des restrictions dans le cadre de la crise Covid. Va-t-on réaliser la commission délibérative en visioconférence? Selon quelles modalités? Selon quels suppléments budgétaires? Rien ne nous est présenté non plus. Alors, quand on voit que le dispositif n'est pas encore prêt, pourquoi commencer? Pourquoi se hâter au risque de fragiliser ce dispositif? Et surtout, pourquoi commencer par un sujet politique, la 5G? Nous observons que la 5G est un sujet où le gouvernement et son ministre à la fois de l'Environnement et de la Participation citoyenne a parlé de sa volonté d'un grand débat public depuis le 17 juin 2020. Néanmoins, aucune initiative n'était prise par le ministre de la Participation. Et nous apprenons que ce sujet est aujourd'hui proposé par le groupe écolo du Parlement avec tous les risques que je viens d'exposer. Nous craignons que ce sujet soit ainsi une commande du gouvernement au Parlement avec ce que cela comporte de questionnement sur la séparation des pouvoirs. Nous craignons aussi un jeu de dupes. En effet, considérant l'inscription du déploiement de la 5G dans l'accord de gouvernement et le libellé de la commission délibérative, on observe que les citoyens tirés au sort n'auront pas l'occasion de se prononcer sur l'opportunité de la 5G, mais sur ses modalités d'implémentation, ce qui est singulièrement technique. Mais comment les citoyens vont-ils réaliser en 2 à 3 jours maximum de délibération
ce que le gouvernement n'arrive pas à atteindre depuis plusieurs mois. En effet, le gouvernement ne cache pas ses oppositions depuis plus d'un an sur la 5G, alors qu'il doit, notamment rappelé par le fédéral, prendre ses responsabilités. Des groupes d'experts y travaillent déjà. Voilà pour conclure, Monsieur le Président, chers collègues, nous craignons que cette première commission délibérative mixte, outil important du renouveau démocratique que nous soutenons, se trouve aujourd'hui instrumentalisée et que tout ceci expose cet outil à des risques, au premier rang desquels une atteinte à la confiance des citoyens. Or, Monsieur le Président, mes chers collègues, on a eu l'occasion de faire une bonne première impression, comme vous le savez. C'est donc pour toutes ces raisons que le groupe MR s'abstiendra lors du vote de la proposition de décision soumise ce jour. Je vous remercie. Merci Madame Barzin pour votre intervention. Je cède la parole à Madame De Smet. Merci Monsieur le Président. Je vais un petit peu rappeler ce qu'on avait déjà dit au bureau élargi. Mais donc, voilà, je pense que la majorité nous avait vanté l'aspect des commissions délibératives comme un moyen de rapprocher le citoyen du politique. Or, on voit ici qu'effectivement, on fait passer une demande de ses propres députés avant une demande citoyenne. Et donc, dans ce sens-là, pour nous, on est quand même déjà très mal parti au niveau du signal qu'on envoie du rapprochement entre le citoyen et le politique. Maintenant, sur le fond aussi, il y a une demande donc, de commission délibérative de la part de citoyens pour discuter du sans-abrisme. Alors on voit aujourd'hui qu'on est encore dans une situation dramatique. Il y a 1000 personnes qui n'ont pas de place de refuge à Bruxelles par ce grand froid. Il y a encore eu un article qui est sorti dans le Soir aujourd'hui où on voit que les demandes de CPAS, demandes d'aide au CPAS, explosent, même dans les communes les plus aisées de notre région. Donc on voit que la situation sociale s'aggrave avec cette crise. Et on parle de milliers de personnes, hein, ce n'est pas des petits détails. Et donc, même sur le fond aussi du sujet, il nous semble primordial de plutôt discuter de la question du sans-abrisme. Donc, il est bien précisé que les gens viennent demander de l'aide pour payer leur loyer, pour payer leurs factures d'électricité, d'énergie, de gaz, d'eau, etc. Ils ne s'en sortent plus. Beaucoup de petits indépendants qui sont dans des situations dramatiques. Et ça, c'est la priorité. Voilà. On ne sent pas au sein de cette majorité le sens de l'urgence au niveau social dans notre région. Pour nous, c'est un signe supplémentaire dans le choix de faire passer la discussion sur la 5G avant. Je vous remercie. Merci, Madame De Smet. Mevrouw Van Achter, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben inderdaad uitgebreid bediscussieerd in het uitgebreid bureau. Ik heb twee redenen waarom wij ons zullen onthouden op deze tekst. Voor eerst zitten we in een gezondheidscrisis, de coronacrisis. En ik denk dat dat in april nog niet zal weg zijn, helaas. Hoe graag ik het zou hebben, ik denk dat we daar in de timing heel moeilijk zitten. Ik denk dat het moeilijk uit te leggen is dat we met 60 mensen gaan samenkomen in een half rond of in een vergaderzaal. Terwijl andere begrafenissen of andere bijeenkomsten die zo nodig zijn, heel erg beperkt worden. Dus ik denk dat we daar met een probleem zitten. Ten tweede heb ik ook mijn grote bedenkingen bij de deliberatieve commissie over de burgerparticipatie rond 5G. Het is een voorstel dat van de regering komt. Hè. Het was eigenlijk minister Maron die dat wou. Dan heb ik mijn eerste bedenking, waarom heeft hij dat dan zelf niet georganiseerd? Hè? Waarom moet dat dan via het parlement komen? Ik denk dat wij deze procedure hebben ingesteld om te diensten te zijn van de burgers, om de burgers aan het woord te laten. Oké, ze komen aan het woord, maar ook om het initiatief bij de burgers te laten. En dat is hier niet het geval. Bovendien heb ik van in het begin ook tegen meneer Maron, minister Maron, gezegd dat 5G een uitermate technische kwestie is waar duidelijk de regering niet op één lijn zit. Dat ik mij afvraag hoe we die techniciteit gaan vertalen in een burgerpanel en hoe dat hoe dat we daar dan zinnige debatten over gaan hebben en hoe dat we dat juist gaan aanpakken. Ik denk dat dat een hele ingewikkelde zaak is als je ziet dat zelf de regering er nog niet echt kan over uitkomen, dat er zo'n passage moet opgenomen zijn in het regeerakkoord om alle aspecten langs alle hoeken en kanten te analyseren. Dan denk ik dat dat een hele uitdaging wordt voor het burgerpanel. Dus daarom zullen wij ons dan ook onthouden op deze tekst. Dank u, mevrouw Van Achter. Ik heb
veel collega inschrijving. Mevrouw De Baat. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal mij ook onthouden omwille van wat dezelfde reden als de vorige spreekster heeft aangegeven. Eén, als we zeggen burgerparticipatie is voor ons belangrijk, dan betekent dat, of dat zou moeten betekenen, elke burger. Ook de burger die minder opgeleid is. Ook de burger die misschien thuis niet over het meest performante IT-materiaal beschikt. En dus dat betekent de facto dat je die bijeenkomst fysiek moet doen. Dat je mensen de kans moet geven om ter plaatse te komen. En dat zal nu, omwille van die gezondheidscrisis, niet mogelijk zijn. Twee, ik hoor graag de Brusselse regering uitpakken met termen zoals participatieve democratie en burgerparticipatie. Maar op het moment dat de regering een thema oplegt, dan is dat niet mijn definitie van burgerparticipatie. Want het is op dat moment niet de burger die gekozen heeft, maar de politiek, de regering die kiest. Dus ik vind dat een zeer eigenaardige manier van denken. En drie, en daarmee rond ik af, wat mevrouw Van Achter ook zei, 5G is een zeer technisch debat. Als je aan mensen vraagt, en ik nodig u allemaal uit om dat thuis eens in uw omgeving te doen, bij vrienden, bij kennis, en u vraagt aan mensen, willen jullie dat de stralingsnormen in Brussel verhogen, gaan ze allemaal nee zeggen. Maar als je aan die mensen vraagt, vindt u het interessant dat senioren langer thuis kunnen leven, omdat op een frigo een sensor zit, en dat je met een alarmknop kan zien of mensen bijvoorbeeld een paar uur de frigo niet hebben opengemaakt en dus weet je, er is iets aan de hand, we moeten hulp sturen. Dat gezondheidsdata via 5G overgezonden worden en dus de levensverwachting daardoor kan stijgen, dat je daardoor medisch zeer geavanceerde ingrepen kan doen, dan zullen mensen allemaal zeggen, we willen dat wel. Dus en dat is een debat dat je op verschillende manieren kan bekijken en dat je niet zomaar in 1, 2, 3 denken kan afhaspelen. Daarom betreur ik ook wel, en dat is wat het aanvoelen dat ik heb, meneer de voorzitter, dat de Brusselse regering, en dat klopt, blijkbaar niet op dezelfde lijn zit. En dus heb ik toch wel sterk het aanvoelen dat men dat wat probeert te vertragen. Zeer jammer, want meneer Van Hengel zei het zelf, hè, en dat is iemand die ook behoort tot de meerderheidspartijen, hè. Die 5G zal in elke lidstaat ingevoerd worden. Daar zijn alle lidstaten nu mee bezig. En alle hoofdsteden bovendien van die lidstaten. En wat zal er gebeuren? Dat wij als hoofdstad van Europa geen 5G zullen hebben. Dat is opnieuw, denk ik, een afgang voor Brussel. En dat kunnen we eigenlijk niet maken. Dank u, mevrouw De Baat. Als heb ik gezegd, verschillende collega's hebben zich geregistreerd. Dus nu het is de beurt aan meneer Aguilar. Dank u, meneer de voorzitter. We zullen trouw blijven aan deze akkoord, omdat we hebben gezegd dat we gaan dat goedkeuren. Maar je moet begrijpen dat er heel veel dingen veranderen ondertussen. En je ziet wat de situatie van daklozen zijn in Brussel. En je kunt dat begrijpen eigenlijk als we dat bekijken, de cijfers. Als we zien wat gebeurt nu op straat, wat gebeurt eigenlijk in ons gewest. Dan moeten we zeer dringend iets aan doen aan die problematiek van daklozen. Mevrouw S. Rochette moest eigenlijk normaal vandaag tussenkomen, maar die is kwaad. Omdat die zegt, kijk, dat kan toch niet, kunnen we dat misschien even omruilen. Zeggen, eerst beginnen misschien toch met de daklozen en nadien met de 5G. Wij hebben eigenlijk onze goedkeuring. Op die moment, wanneer hebben we gezegd, we gaan dat werken op de 5G, wisten niet van de situatie van vandaag. We dachten, ja kijk, dat alles is in orde, dat is een oplossing. Iedereen krijgt een dak boven zijn hoofd. En toch zien we dat vandaag nog honderdtal mensen eigenlijk die geen plek hebben gevonden. De regering doet zijn best. Ja, meneer Maron doet zijn best. En de collega doet zijn best om eigenlijk een oplossing te vinden. Maar blijkbaar niet genoeg. En ik denk dat vandaag, meneer de voorzitter, het is toch een warm oproep naar jou toe om te zeggen, kijk, kunnen we daar echt iets extra doen om toch te bekijken, als de situatie nog verhert in de komende weken, dat dat toch, ik weet niet, commissie, speciaal commissie, dat moeten we zien, hoe gaan we dan pakken, specifiek over daklozen, en tegelijkertijd binnen de commissie misschien, hè, want we weten wat we moeten doen, we moeten niet aan de burger vragen, we weten wat we moeten doen. Dat is gewoon meer open plek eigenlijk stellen voor die mensen. Voilà, we zullen zeker eigenlijk deze tekst goedkeuren vandaag en we zijn blij, want dat is ook belangrijk, maar je moet begrijpen, dan moet je soms prioriteit bekijken. En wat prioriteit is vandaag, is dakloos. En ik hoop eigenlijk dat de minister vandaag of morgen kan een goede nieuws aankondigen dat extra plaats wordt voorzien. Want ik zeg u vandaag, de prioriteit is niet eigenlijk de 5G, maar wel dat de mensen een dak boven hun hoofd kunnen hebben. Voilà, meneer de voorzitter. Dank. Het is nu de beurt aan mevrouw Lotte Stoops.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ik denk dat we over twee zaken praten, want om morgen een dak boven iedereens hoofd te krijgen, gaan we dat niet met het nieuwe politieke innovatieve tool van die burgercommissies kunnen doen. Want ook dat vraagt tijd en misschien zal dat dan ook te laat zijn. Ik wil jullie zeggen dat onze fractie heel blij is met de innovatie die de burgers te beurt zal vallen. Dat die nieuwe tools voor horizontale democratie een plek krijgen. En inderdaad, het zou veel beter zijn dat we dat fysiek kunnen organiseren. Maar we kunnen ook niet wachten. Vorig jaar had niemand gedacht dat we deze moment... excuseer, er is iemand heel erg met papieren aan het... Ja. Dus we hadden nooit kunnen wachten, weten... Maar... Monsieur Van Goetsenhoven, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Van Goetsenhoven, votre micro est allumé. Vous pouvez poursuivre, ja. Madame Stoops. Ja, ja, ik hou het als een basso continuo. Dus het is natuurlijk zo dat dat fysiek samenkomen veel beter had geweest. Maar ofwel wachten we tot het vaccin werkt. We weten niet wat er ons te beurt gaat vallen. Dus ik ben ook voorstander dat we... die digitale vormen ook gaan uitproberen. Ik weet dat er een digitale kloof is, daar moet mee gewerkt. Er zijn ook andere processen die al gebeurd zijn, waar we hebben gezien dat ook het digitale soms een andere soort van inclusie meegeeft. Ouderen die slechte been zijn, gaan toch kunnen participeren. Alleenstaande ouders kunnen makkelijker zich vrijmaken. Swat, die discussie hoeven we niet te voeren. Ik wil toch nog een aantal zaken zeggen. De 5G-vraag... Au... is een vraag van onze parlementaire van de CDH. Dus dat mogen we niet vergeten. En ook van de collega's van Ecolo. En ik geloof wel in zinnige gesprekken met geïnformeerde burgers. Want het is niet zo dat we met een hoop burgers gaan samenzitten die dan hun eigen idee, zonder dat ze geïnformeerd zijn, zomaar komen poneren. Mensen krijgen in heel dat proces eenzelfde soort informatie. We krijgen geïnformeerde burgers. Dat is deel van het proces. Dus ik vind het jammer dat sommige collega's hier het proces op een andere manier framen. En over 5G nog eens, dat houdt burgers ontzettend bezig. En het is goed om het te organiseren op een manier dat er nog rekening gehouden kan worden met hun vraag over hoe we een kader kunnen scheppen, rekening houdend met wat die burgercommissie zegt... over 5G. En dat rechtvaardigt volgens ons een snelle behandeling, want we zien dat er vooruitgang komt in dat dossier. Dus dat zouden wij toch willen doen. En natuurlijk is de dakloze problematiek ontzettend urgent. Ik lees ook dat de regering grote inspanningen doet, ook op budgetair vlak dit jaar. Dus nogmaals, wij gaan sowieso voorstemmen. En dat er iets, dat er zaken gebeuren voor onze dakloze medeburgers, dat is niet meer dan normaal. Maar dat gaat een burgercommissie effectief ook niet morgen opgelost krijgen, collega Aydar. Dank u wel. Het is nu de beurt aan mevrouw Khadija Zamouri. Mevrouw Zamouri, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik ga kort zijn en een stuk herhalen en toch benadrukken wat de collega's ook al een deel gezegd hebben. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat de burger, de Brusselaar, elke Brusselaar betrokken wordt bij elk initiatief dat de overheid neemt. Het zij door te stemmen op kandidaten tijdens verkiezingen, maar ook heel korter door de uitrol van deze deliberatieve commissie. Trouwens, we hebben daar als Open VLD ervaring mee. Sven Gats, collega van mij en minister in het Brussels parlement, heeft in het verleden ook burgerkabinetten georganiseerd, waarin hij binnen zijn beleidsdomein ook mensen betrekt om te kijken van oké, welk idee. En heeft dat ook geïmplementeerd door elk nieuws, elk journaal op de VRT, op de Nederlandstalige televisie, eindigt met een cultureel aspect, met iets positiefs. En dat was een vraag van de burgers. Dus wij geloven daar absoluut in. Nu, wat het moeilijke is, en dat is hetgene wat ik ook bepleit in de commissie Economie en Digitalisering van de heer Claire Failly, van minister Claire Failly, is die digitale kloof. De digitale kloof die wij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zo'n grote groep van mensen die niet mee zijn, nieuwkomers,
die eigenlijk ook de stap tot zichzelf moeten nemen, denken wij dat we daar een hele grote groep gaan missen. En hebben we een beetje schrik dat het de mensen zijn die gewoon zijn om de digitale media te gebruiken, dat die meer het woord gaan nemen en dat we de groep gaan vergeten die het eigenlijk het meeste nodig heeft. Het is ook een groep, een hele grote groep van mensen die niet mee zijn in onze maatschappij, is daar ook waar het meeste fake news gebeurt. Waar de meeste beïnvloeding ook is en waar je echt moet proberen om via heel subtiele manieren door te dringen om dat fake news op te heffen. En wil het nu juist zijn dat we 5G inderdaad nu als eerste gaan bespreken, daar waar enorm veel fake news over is. Herinner u zelfs de mondmaskers, de blauwe, waarin ze dachten dat het kleine ijzeren metaaltje dat je rond je neus deed, dat het ook een soort antenne is voor 5G. Dat was de realiteit, hè? In een gemeente zoals de mijne in Sint-Jans-Molenbeek. Mensen hebben echt schrik. We onderschatten dat. Dat onze burgers eigenlijk leven voor een groot stuk leven in een andere wereld dan dat wij eigenlijk voor hebben. Nu, wij vinden het goed dat er een deliberatieve commissie komt en dat we burgers betrekken. We hebben alleen een beetje schrik over het onderwerp dat inderdaad, zoals collega's zeiden, zeer technisch is en eigenlijk zeer nodig is. Dat we daar niet eerst een hele burgerparticipatie en het is misschien om te sensibiliseren of zo, maar wij denken niet dat dat een onderwerp is dat nu had moeten besproken worden. Zeker niet wetende dat, ja, hoe ga je dat doen? Hè? De mensen, als je echt alle Brusselaars wil uitnodigen, of in elk geval een deel je gaat die fysiek moeten uitnodigen, of het zo organiseren dat het werkbaar is, je gaat rekening moeten houden met covid-testen, je gaat rekening... Allemaal drempels die eigenlijk veel dingen gaan, afremmen. Dus de keuze van het onderwerp, om dat in een deliberatieve commissie te zetten, terwijl het UZVB en andere ziekenhuizen zeggen van, zonder 5G, stel dat morgen u zelf of uw kind een prothese nodig heeft en op leven of dood, dat eigenlijk de ziekenhuizen die zouden via 5G kunnen doorsturen naar een ander ziekenhuis wat je nodig hebt om een mensenleven te redden. En dat heeft collega De Baats ook daarnet gezegd. En dat is iets waar we denken dat dat niet meer van deze tijd is om daar eigenlijk nog een hele discussie over te voeren. Dat is iets waar we gewoon zouden moeten aanvaarden en kijken hoe dat we daar technisch aan kunnen werken en wat het daarvoor nodig is om dat uit te rollen. Dus een aantal opmerkingen, meneer de voorzitter, een aantal accenten. Maar ik benadruk wel dat we blijven staan achter het participatieve gedeelte om elke Brusselaar te betrekken in actuele onderwerpen. En actuele onderwerpen, ja, denk ik, als ik de collega's hoor en de kou en wij hier lekker warm binnen zitten, dan denk ik dat er andere onderwerpen zijn die inderdaad onze aandacht meer nodig hebben dan 5G, die eigenlijk in het parlement, in de commissies, met hoorzittingen en technici en mensen die er iets vanaf weten, dat we dat daar moeten behandelen. Voilà. Ik heb gesproken, meneer de voorzitter. Dank u, mevrouw Zamouri. Het is nu de beurt aan meneer Kennis voor de Agora-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Met Agora, beste collega's, beste voorzitter, zijn we natuurlijk grote voorstander van die overlegcommissies. Ze kunnen voor een stuk de kloof dichten tussen burgers en politici door ze bij elkaar te brengen, door ze samen in een ruimte te zetten, hopelijk fysiek. Dus we zijn voorstander van dit instrument. We hebben er ook actief aan meegewerkt en we zijn zeer enthousiast dat dit bestaat vandaag. Toch hebben we een paar bedenkingen bij de concrete voorstellen vandaag. Een eerste overlegcommissie zou gaan over 5G. Aan zich lijkt ons dat een goed thema. Het is een thema, zoals enkele collega's hebben gezegd, waarover geen politieke eensgezindheid bestaat binnen de regering. En voor ons is dat een goed element. Dat maakt namelijk mogelijk om open te discussiëren en om echt de aanbevelingen van de burgers te volgen. Of toch niet?
Want de vraagstelling zou zijn, 5G komt eraan, dat is dan een vaststelling, en dan de vraag zou zijn, hoe willen we dit uitrollen in het Brussels gewest? Dus het gaat niet meer over de vraag vooraf, willen we dit of niet? Het gaat over, hoe willen we dit implementeren? En ik denk dat die aanpak van participatie moet omgedraaid worden. Stel de belangrijke, morele, maatschappelijke vragen aan de Brusselaars. Werk daarna de technische details over het hoe uit met technici. Dat gaat dan ook over dat risico van instrumentalisering. Een paar collega's hebben ernaar verwezen. Is dit niet een manier om te zeggen, kijk, het gebeurt toch al, maar hoe willen jullie het precies doen? Ik roep in elk geval alle deelnemers op, zowel natuurlijk de Brusselaars die geloot worden als de parlementsleden, om open en eerlijk deel te nemen aan de debatten en om in de mate van het mogelijke de burgers natuurlijk te volgen in hun stemming, want alleen de parlementsleden hun stemming zal tellen op het einde. De straatbewoners dan. Zeer urgente problematiek, zeker deze week. Het ging oorspronkelijk over straatbewoners en leegstaande gebouwen en er zijn een aantal elementen opgedoken deze week waarbij dat blijkt dat er inderdaad 40.000 woningen zouden leegstaan, 4.000 mensen op straat. Probeer die twee problemen om te buigen tot een oplossing voor elkaar. Over de vorm dan vind ik het in die zin vreemd dat de 5G voorrang zou krijgen en die urgente problematiek van de thuislozen of straatbewoners in tweede instantie zou worden behandeld. Bovendien zou er voor de eerste commissie 7 weken zijn en voor de tweede maar 3. Qua belang van de problematiek lijkt me dat ook niet eerlijk. Ten slotte een woord over de techniek. In het uitgebreid bureau is er even over gegaan. Hoe zullen we kunnen deelnemen in coronatijden? C'est vrai qu'il est peu probable qu'on pourra faire une réunion en physique avec tous ces gens-là, avec 60 personnes réunies en présentiel. Et donc, on a chargé l'opérateur externe qui s'occupera de l'organisation pratique de ces commissions délibératives d'avoir un plan B. De nous proposer, voilà, si on ne peut pas se voir en présentiel, voilà comment on fera. Nous avons, à l'heure actuelle, obtenu aucune information de comment on pourra faire ça. Et donc, pour nous, c'est très difficile de juger comment on fera. C'est vrai que le clivage digital, il est réel. Il y avait encore une étude du Fondation Roi Baudouin qui était dans la presse cette semaine-ci. 40% des Belges ont des difficultés d'accéder au Internet ou d'utiliser des outils informatiques. 40%. C'est beaucoup. C'est trop. Et donc, si on veut vraiment participer ensemble, il faut vraiment avoir les bons moyens pour le faire. We willen niettemin doorzetten met dit middel. We denken dat het belangrijk is om die deliberatieve commissies te testen, om ze uit te voeren en om open aan het debat deel te nemen. In dit geval gaat het moeilijk zijn voor ons om de concrete voorstellen te steunen. We willen heel graag het voorstel van de burgers steunen. Het voorstel van 5G vinden we een interessante thematiek, maar de vraagstelling is wat tendentieus. De proof of the pudding zal in the eating zijn en ze zullen vermoedelijk plaatsvinden en we zullen zeker deelnemen met Agora om mee te doen aan die overlegcommissies. We vragen dan ook aan alle commissieleden, die in de ene of de andere commissie zullen deelnemen, om dat met een open geest te doen. Ik wil graag afsluiten met de woorden van Henri Poincaré, die in die zin zei, het denken mag zich nooit onderwerpen. Nog aan een dogma, nog aan een partij, nog aan een hartstocht, nog aan een belang, nog aan een vooroordeel, nog aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf. Want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken. Laat dit ook de slogan zijn, de geest zijn van de discussies in die overlegcommissies, zodat we een echt democratisch debat kunnen hebben met de Brusselaars. Ik dank u. U, meneer Kennis. Alors, je cède à présent la parole à madame Magali Plovy. Vous avez la parole, madame Plovy. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Alors, d'abord, je trouve que, avant de commencer à peut-être répondre à certaines remarques que j'ai entendues, je voulais remercier le travail incroyable dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes, les membres des services législatifs et surtout des deux garants et des suppléants, des services informatiques, des relations publiques et des grèves de nos deux parlements. Et sachez, en tout cas pour toutes ces personnes que je viens de citer, que votre engagement à toute épreuve n'est pas passé inaperçu et je tenais vraiment à vous le faire savoir en premier lieu. Alors, je voudrais réagir à certains éléments que j'ai entendus concernant les commissions délibératives.
Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on se lance dans ce processus avec de nombreuses mauvaises informations ou des idées erronées sur les commissions délibératives. Tout premièrement, rappelez-vous, chers collègues, que nous nous sommes basés sur des expériences aussi qui existaient dans d'autres pays. L'Irlande, la France, et tous les sujets dans ces pays-là sont toujours venus des gouvernements ou des parlementaires qui estimaient qu'il était nécessaire de mettre ces sujets en débat avec les citoyens parce que c'était des questions complexes, des sujets qui clivaient fortement la société. Alors, c'est vrai que nous avons permis les deux possibilités, monsieur. Une possibilité parlementaire, voilà. Une possibilité citoyenne. Je ne vous entends pas du tout. C'est chez moi. Pardon, je n'avais pas mis de... Monsieur Comans-de-Brachet, est-ce que vous pouvez juste couper votre micro, s'il vous plaît, comme ça, Madame Plovy peut poursuivre dans de bonnes conditions. Vous pouvez poursuivre, Madame Plovy. Merci beaucoup. Mais donc, c'est bien une spécificité bruxelloise d'avoir les deux possibilités. Et c'est ce que nous allons avoir dans les deux prochains mois, puisque nous aurons les deux, donc une suggestion des citoyens, une proposition des parlementaires. Et ce sera donc intéressant justement de voir comment ces deux expériences différentes vont fonctionner pour voir, pour notre évaluation et pour voir par la suite comment on peut peut-être améliorer les choses si c'est nécessaire. Alors, j'ai entendu aussi par rapport au sujet, dans notre société qui est toujours plus polarisée, plutôt que d'opter pour une solution verticale sans impliquer les Bruxellois et les Bruxelloises, nous avons pris le pari de l'horizontalité en choisissant résolument de rassembler des personnes d'horizons variés pour une délibération sur la base d'informations équilibrées. Les participants sont invités à mettre de côté leur visière politique, à considérer plutôt les différents côtés d'un argument, une pratique qui est rare dans le climat actuel. Et le paradoxe de notre époque est qu'il n'a jamais été aussi simple et peu coûteux de s'informer, mais en même temps, nous opérons tous dans des silos. Nous limitons à nos sources d'informations préférées ou à nos flux de médias sociaux en ne prêtant qu'attention qu'à un pan de l'argumentaire sur sujet spécifique, celui qui nous convient le mieux. En outre, quand nous nous frottons aux arguments divergents, c'est pour entrer dans une logique de confrontation plutôt que pour comprendre ce qui nous sépare. En s'ouvrant à une logique de délibération, on commence à voir l'autre, non pas comme un adversaire, mais comme un égal, un être humain doté de réflexion. De fait, en apprenant à se connaître, on stimule et développe quelque chose qui est de plus en plus rare dans notre société hyper polarisée, c'est l'empathie. Alors, estimer que certaines thématiques sont trop techniques pour les citoyens ou pour les citoyennes, c'est clairement retourner à une démocratie capacitaire. L'idée derrière la démocratie délibérative est bien que la démocratie doit être capable de mettre chaque citoyen en capacité de participer à la démocratie. À nous, via notamment une information accessible et vulgarisée, accessible donc pour chaque parlementaires, mais aussi pour chaque citoyen qui seront tirés au sort, d'être en capacité de participer aux commissions délibératives. Aucun sujet n'est trop technique si on se donne le temps de bien le traiter. En fait, au plus c'est complexe, au plus justement on a besoin de démocratie délibérative. Je rappelle que le comité d'accompagnement décidera du nombre de journées nécessaires pour chaque commission délibérative, que ce sera minimum 4 journées, parce que j'ai entendu des fausses informations. C'est minimum 4 journées, et ça peut être plus, et c'est le comité d'accompagnement à chaque sujet qui décidera et qui proposera le nombre de journées nécessaires. Et nous ne faisons pas un procès d'intention avant même que les décisions ne soient prises. Alors, notre volonté est de permettre aussi, autant que faire se peut, et moyennant une nouvelle fois le respect des mesures sanitaires, d'organiser cette délibération plutôt en présentiel, via notamment l'organisation de réunions dans différentes salles de Parlement. Et on a essayé, et le président Rachid Madran a participé à la même réunion que moi avec l'opérateur externe, où il y a vraiment une volonté de pouvoir chercher différentes pistes pour que tout se passe, si possible en présentiel, mais surtout en sécurité pour tout le monde, pour assurer donc la distanciation sociale notamment. Mais ne négligeons pas non plus la dimension symbolique, évidemment, d'accueillir ici, dans notre Parlement, les citoyens. Alors, j'ai été frappée cette semaine, durant notre première réunion de travail avec l'opérateur externe, dont j'en parlais avec M. Madran, d'apprendre que les processus participatifs
actuelle recueillait les taux les plus élevés de réponses favorables depuis la création de l'organisation, que ce soit à Saint-Gilles ou à Auderghem. Donc, en garantissant toutes les mesures sanitaires, nous pouvons compter sur l'intérêt de la population, même dans cette période délicate, peut-être même surtout en ce moment inédit. Alors, deux, trois dernières réponses par rapport à ce que j'ai entendu. La plateforme numérique sera prête à partir du 1er mars. Les outils de communication ont été approuvés par les différents bureaux, donc je pense que là, ils seront lancés tout prochainement. Quant aux données personnelles, je pense que ça a été dit et redit. Nous avons obtenu une autorisation par le ministre de l'Intérieur et avec l'autorisation de l'autorité de protection des données. Sur les sujets politiques, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas demander aux citoyens tirés au sort de se prononcer sur la couleur des bancs de la région. Il va falloir conclure, Madame Plovy. Je vais terminer. Mais donc, oui, les commissions délibératives doivent porter sur des sujets politiques. C'est ce que nous allons faire avec le logement et le sans-abri et la 5G, deux thématiques que nous allons examiner, pour lesquelles il faudra respecter tout le processus et les recommandations. Et n'oublions pas, enfin, j'en terminerai là, qu'il y aura une évaluation qui aura lieu dans 2 ans, après 6 commissions délibératives, avec le comité d'accompagnement, pour voir comment on peut améliorer le vademécum et le règlement. Merci, Madame Plovy. Voilà, je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Nous procéderons... Ah, pardon, je vois M. Debock. Vous avez la parole, M. Debock. Très rapidement, merci Monsieur le Président. Au nom de mon groupe, évidemment, nous nous réjouissons de la mise en place de ces commissions délibératives. Je vais peut-être citer Madame Dupuis, qui vous a précédé ici à cette stalle, qui avait dit que dans nos démocraties, on n'a encore rien trouvé de mieux que le système représentatif. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel je peux facilement rejoindre Madame Dupuis. Et je pense que toutes les alternatives que l'on peut mettre en place pour mettre de l'huile dans les rouages, comme les commissions délibératives, comme le panel citoyen, pour effectivement associer à un moment donné, en amont de la décision, la participation, faire en sorte que ce soit une réalité, c'est évidemment positif et il faut l'encourager. Maintenant, je pense que ce n'est jamais qu'un outil et qu'on ne dépassera jamais le modèle actuel. On peut certainement l'améliorer, mais je voudrais quand même aussi rappeler les fondamentaux et dire que notre groupe soutiendra évidemment cette initiative, mais qu'il y en a aussi bien d'autres. Et je pense que le système suisse, auquel je tiens énormément, qui est la vraie démocratie participative, où en amont des décisions, les citoyens ont également l'opportunité de présenter un certain nombre de propositions et de sujets qu'ils peuvent mettre à l'agenda du politique, mériterait aussi un jour d'être débattu dans cette Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Debock. Voilà, je ne vois pas d'autres interventions. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur la proposition de constituer la dite commission délibérative composée de députés et de citoyens tirés au sort, conformément à l'article 25.1.1 du règlement qui dispose, je cite, « Le Parlement peut, lorsqu'il le juge utile, constituer une commission délibérative composée de députés invitant des citoyens tirés au sort, ci après dénommée commission délibérative ». Chers collègues, l'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de M. Heutendahl, Mme Parmentier, M. Lovenstein, M. Verstraat, Mme De Jong et Mme Sab relative à la mise en place d'un réseau de panneaux podométriques. Pas d'observation, renvoyée à la commission de la mobilité. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de M. Van Guatzenhoven, Mevrouw Oostraat, Mevrouw Dufourny, Mevrouw Tchekalski betreffende de handel in nieuwe gezelschapdieren en het houden ervan door privépersonen. Document nummer A280.1, geen bezwaar. Verzonden naar de commissie voor het leefmilieu en de energie. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution de Madame Frémaux et Madame Debats visant au réaménagement de la place royale. Geen bezwaar. Verzonden naar de commissie voor de territoriale ontwikkeling. Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur les services en matière de budget, finances, comptabilité et contrôle. Je vous propose de considérer la discussion qui a lieu au PRB, conjointe avec celle de l'ARCC sur le même objet.
Le document de la proposition d'ordonnance à la région, c'est le document A232.1 et 2. Et le document à la RCC, le document B46.1 et 2. Et le rapporteur est le même dans les deux instances et pour les deux objets. Et donc, je déclare la discussion générale ouverte. De l'Algemeen Besprekings reopened. Et je donne la parole à Monsieur Gessels, rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais c'est un texte qui n'a pas fait de difficulté, donc je m'en référerai à mon rapport écrit. Je vous remercie, Monsieur Gessels. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Mais je vais d'abord céder la parole au ministre s'il le souhaite. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Vraiment de toward. On a beaucoup discuté en commission. La discussion générale est close. L'Algemeene Bespreking is gesloten. Nous passons à la discussion des articles. We gaan over tot de bespreking van de artikelen. Article 1er. Geen bezwaar. Adopté. Aangenomen. Article 2. Geen bezwaar. Aangenomen. La discussion des articles est close. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de mesdames Lefranc, Beaumélé, Chabert, Deré, Aïtbala, Stoops, M. Haïdar et Mme Debats visant à instaurer les journées du matrimoine en région de Bruxelles-Capitale. Tot invoering van matrimoniumdagen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Document A86.1 et 2. La discussion générale est ouverte. La parole est à Madame Eliousfi, rapporteuse. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Durant l'exposé introductif, les dépositaires ont rappelé les actions entreprises par le passé. Elles ont également invité à être plus ambitieux. Elles jugent qu'il ne faut pas laisser les productions culturelles féminines au second plan, alors même que le secteur est majoritairement composé de femmes. Selon elles, occulter la moitié de l'humanité, c'est oublier un pan de notre histoire. Le nouveau concept de patrimoine permettrait de valoriser l'héritage des femmes et se constitue des biens matériels, immatériels, artistiques, historiques, architecturaux, urbanistiques et sociaux. Durant la discussion générale, le groupe des filles est convaincu que ce texte permettra de réhabiliter les femmes dans leurs droits. Pour le groupe PS, ce texte permettra de construire un héritage beaucoup plus riche qui additionne patrimoine et matrimoine et qui ouvrira de nouvelles perspectives aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Le groupe écolo soutient également le texte et soutient que ce dernier construira un espace public plus accueillant pour tous. Le groupe MR se joint au texte et souligne que cette résolution permettra de généraliser le principe des journées de matrimoine et de le pérenniser dans le temps. Le groupe One Brussels insiste sur la rareté de la présence des femmes dans l'espace public et qu'il faille continuer à lutter contre le sexisme. Le groupe CDNB lui salue le texte et le fait que l'opposition et la majorité se réunissent autour de cette résolution. Mais il insiste sur le fait que d'autres étapes doivent être accomplies dans le futur pour continuer à lutter contre les violences faites aux femmes. Le groupe NVA soutiendra la résolution, mais interpelle ses collègues sur la difficulté entourant la traduction de ce terme en néerlandais et qu'une réflexion doit être menée à ce niveau. Le groupe Groen souligne son souhait de co-signer le texte et veut rappeler le rôle primordial des femmes dans la société. Deux amendements ont été apportés, ils ont été adoptés à l'unanimité des 11 membres présents et la proposition de résolution dans son ensemble tel qu'amendé a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Eliousfi. Alors, qui souhaite intervenir dans la discussion? Alors, je vois Monsieur Haïdar, je vois Madame Stoops, Madame Chabert, Madame Van Acter, Madame Debats. Y en a-t-il d'autres qui souhaitent intervenir? Madame Beaumélé. Alors, je vais le faire dans l'ordre habituel et si j'en passe un, vous me le rappelez. Donc, je commence par... Madame Lefranc, la déposante, non? Oui, vous avez raison. Je sais, mais je regardais sur le chat, je ne voyais pas Madame Lefranc. Madame Lefranc, vous avez la parole. Je suis là. Vous avez la parole, Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Haïdar. Chers collègues, alors je suis effectivement ravie aujourd'hui d'entériner un processus qui voit aboutir une proposition de résolution qui a l'ambition d'organiser de manière permanente des journées du matrimoine en région Bruxelles-Capitale. Je suis d'autant plus fière que ce processus a été mené dans la coopération, a été conclu de façon
consensuel, puisque le texte a été voté à l'unanimité en commission du 26 janvier dernier, et dépassant ainsi le clivage stéréotype de la majorité contre l'opposition. Je tenais à remercier plus particulièrement M. Pitzet et le groupe Écolo pour son amendement qui étaye la proposition de résolution de manière exhaustive sur sa nature et sur ses activités. Je tenais aussi à remercier Mme Chabert pour son amendement sur le volet pédagogique et scolaire, mais également Mme Stobbs et Mme Vanak et M. Fouad Haridar pour leur amendement qui rectifie le mot puisque, et qui a toute son importance linguistique et sa pertinence. Et ensuite, je tiens à remercier l'ensemble des collègues co-signataires. Vous voyez bien que c'est un travail collectif. Et alors, ne pas oublier, bien évidemment, l'ASBL, l'îlot sortir du sans-abrisme, ainsi que la plateforme architecture qui dégenre, et Madame Apolline Branken, qui en est à la tête, qui sont finalement à l'origine, il faut le reconnaître, des deux premières éditions des journées du matrimoine à Bruxelles en 2019 et en 2020. Alors, je ne vais pas présenter de long en large l'ensemble de la proposition de la résolution, mais vous l'aurez compris, ces journées du matrimoine s'inscrivent dans une perspective complémentaire aux journées du patrimoine, mettant en lumière l'héritage historique et contemporain des femmes à Bruxelles, tout en soulevant la question de l'accès à la propriété des femmes. On ne peut pas laisser les productions culturelles féminines au second plan, alors même que le secteur est majoritairement composé de femmes, occulter, comme elle l'a dit, occulter la moitié de l'humanité, c'est occulter un pan de notre histoire. En effet, le matrimoine est constitué de biens matériels et immatériels, artistiques, historiques, architecturaux, urbanistiques et sociaux hérités des femmes. Ce nouveau concept permet donc de valoriser l'héritage des femmes et ainsi pallier aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde des arts et de la culture. Notre héritage culturel commun se constitue aussi bien du patrimoine et ainsi que du matrimoine. Alors l'instauration des journées du matrimoine soutiendra de ce fait les femmes du secteur artistique et culturel et montrera aussi aux jeunes filles qu'elles ont aussi la possibilité de créer, d'être vues. Cela permettra également d'amener une féminisation de l'espace public. N'oublions jamais finalement ces lieux, ces quartiers de notre héritage culturel dans lesquels les femmes ont joué un rôle primordial. Je pense tout naturellement au béguinage, mais c'est également l'ensemble de la place des femmes dans l'espace public dont il est question. De nouveau, cette démarche s'inscrit dans la dynamique que nous avons introduite dans cette présente proposition de résolution. Je tenais à terminer mon intervention avec une citation inspirante de Marguerite Yourcenar, qui est première femme élue membre de l'Académie française en 1980, qui est née à Bruxelles et qui a à son honneur d'ailleurs le passage Marguerite Yourcenar au parc d'Egmont dans le quartier du Sablon. Elle a dit « Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin ». Ben, chers collègues, soyons ce coup de folie qui bâtit le destin et l'histoire de notre matrimoine, qui fait partie intégrante de notre passé, mais surtout de notre avenir commun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lefranc. Alors, Tisnu de Beurtan, mevrouw Van Achter. Oké, dank u wel, meneer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Tijdens de commissie Gelijke Kansen was al heel snel duidelijk dat we allemaal op één lijn zaten wat betreft het doel van deze resolutie. En dat we ons allemaal bewust zijn dat het vrouwelijk perspectief vaak ondervertegenwoordigd is, onderbelicht is qua erfgoed, cultureel en onroerend erfgoed. We hebben dan ook een lange discussie gehad over de terminologie, omdat we in het Nederlands gebruik maken van de terminologie erfgoeddagen of open monumentendagen en we dus niet het gebruik maken van patrimoniumdagen en we dus eigenlijk een soort van genderneutraal begrip gebruiken en we dus niet de mannen voortrekken in het Nederlands, als ik het zo mag zeggen, toch alleszins qua terminologie. Dat maakte eigenlijk dat de resolutie een beetje onbegrijpelijk was. Als ik vroeg aan mijn collega's matrimoniumdagen waarover zou dat kunnen gaan, dan dachten ze allemaal verlof krijgen bij uw huwelijk of zo. En dus een onduidelijke resolutie, daar zijn we natuurlijk ook niet mee gewonnen. En dus hebben we gelukkig kunnen een amendement voorstellen om de juiste terminologie ook in het Nederlands te gebruiken. En dus
te spreken van erfgoeddagen en van dan vrouwelijke erfgoeddagen. Het gaat natuurlijk over om die aandacht te hebben voor de vrouwen in onze open monumentendagen, om de aandacht te hebben voor ons vrouwelijk erfgoed en eventueel ook het woord matrimonium terug zijn intrede te laten doen in die context. Daar heb ik geen probleem mee, maar een taal is levend, taalbegrippen veranderen. En dus ik denk dat die amendementen die we voorstellen daaraan tegemoet komen en dat dit nog de tekst alleen maar duidelijker maakt en meer duidelijker zal zijn voor iedereen waarover het hier gaat. Dat is toch het voornaamste, dat we weten dat de vrouw in de aandacht komt en dat is wat we hier uiteindelijk mee willen beogen. Bedankt. Dank u, mevrouw Van Acht. Alors, j'ai comme inscrit madame Bala, madame Chabert, madame Lotesto, Margot de Ré, madame Zamouri, madame Bomélé, monsieur Haïdar et madame Debats. Donc, je cède à présent la parole à madame Aït Bala. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, mes remerciements vont évidemment en premier lieu à l'endroit de Madame Véronique Lefranc pour cette initiative et pour aussi avoir associé notre groupe à cette proposition de résolution qui vise à instaurer les journées du matrimoine en région de Bruxelles-Capitale. Remercier aussi Madame El Youssefi pour son rapport. Et donc, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de l'argumentaire que nous avions développé en commission, mais je voulais tout de même souligner évidemment l'importance d'une telle résolution qui vient, à mon sens, lever le voile sur une réalité structurelle liée à l'inégalité des genres au sein de notre société et ce, à tous les niveaux. Alors, en effet, l'héritage qui a été légué par des générations de femmes dans tous les domaines, qu'il s'agisse des sciences, des arts, de la culture et j'en passe, ont malheureusement été trop longtemps invisibilisés. Et par cette proposition, évidemment, cette proposition contribue au développement d'un schéma alternatif où les identités multiples et diverses, où l'histoire des femmes est justement toute sa place. Elle est aussi un outil de déconstruction de tous ces schémas mentaux qui ont été construits au fil des années, au fil des siècles. Il s'agit, comme l'a dit Madame Véronique Lefranc encore ce matin, de rétablir l'histoire, de réhabiliter la place des femmes dans l'espace public, de revisiter ces rapports sociaux de sexe dans tous les domaines. Alors oui, Monsieur le Président, chers collègues, osons le matrimoine. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Aït Bala. Je cède à présent la parole à Madame Delphine Chabert. Vous avez la parole, Madame Chabert. Ah, pardon, excusez-moi, il y avait une pure, je ne vous ai pas entendu. Merci, Monsieur le Président, mais je remercie évidemment très vivement ma collègue Véronique Lefranc pour son excellente initiative qui a été prise il y a un petit moment déjà et que mon groupe a soutenue avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais aussi, comme vous l'avez fait, pardon, Madame Lefranc, remercier et surtout saluer tout le travail précurseur et vraiment important qui a été réalisé par la plateforme L'architecture qui des genres. Et aussi la SBL Lilo qui a soutenu Apolline Vrangen, qui a été vraiment à l'initiative de ces journées du matrimoine. Et l'ensemble de ces militantes, je pense qu'il faut vraiment les mettre au centre de nos débats aujourd'hui. Toutes ces militantes nous emmènent un pas plus loin sur le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc l'organisation de ces journées du matrimoine sont importantes. Ça a l'air assez nouveau comme ça. Mais en fait, c'est pas rien parce que ça nous enracine au plus loin de notre histoire. Et je voudrais le dire ici, je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire, on l'a fait en commission, mais je voudrais quand même dire ici, devant tous mes collègues, que de tout temps, les femmes ont contribué à faire évoluer la société, et dans tous les domaines. Et il fut même un temps, contrairement à ce qu'on dit, où les femmes étaient beaucoup plus présentes qu'aujourd'hui dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle, et même dans le langage, où par exemple le neutre masculin qui nous semble intangible n'existait pas, où le mot matrimoine était largement utilisé et ne faisait même pas sourire comme on a pu le voir sur certains commentaires sur les réseaux sociaux après nos débats en commission. Et donc de tout temps, les femmes ont contribué à la création, aux idées, au progrès. Mais le problème, c'est que personne ne le sait. Je suis un peu provocatrice quand je dis ça, hein. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que les femmes ne sont pas nommées, les femmes, on ne les voit pas, elles ne sont pas visibles. Et c'est pour souligner le fond du problème. Le fond du problème, c'est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire et dans la culture, que ces journées du matrimoine sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de lutter contre cet effacement des femmes qui nuit à tout le monde. Et donc, c'est important de rendre visibles les femmes qui ont fait l'histoire, de rendre visibles les femmes artistes,
et puis de rendre visibles les combats des féministes pour l'égalité et la lutte contre toutes les formes de domination. Je voudrais juste redire un petit mot sur cette question de l'éducation. En effet, j'ai déposé un amendement qui a été soutenu, et je vous remercie à tous et toutes de l'avoir soutenu. C'est important aussi pour donner envie aux jeunes filles d'oser des carrières encore trop réservées aux hommes. Hier, c'était la journée pour l'implication des femmes dans les métiers de la science. On a besoin de modèles, on a besoin de ces journées-là pour grandir, pour s'élever. Cette invisibilisation des femmes empêche les filles de se projeter dans des métiers valorisés par la société, dans des métiers prestigieux. Et cette invisibilisation influence aussi notre perception du quotidien sur le rôle que joueraient les hommes ou les femmes dans la collectivité, puisqu'on voit plus certains que d'autres. Donc je pense que c'est vraiment important, c'est très symbolique, hein, c'est pas ça qui va tout révolutionner, mais c'est important parce que ça nous aide à construire un futur égalitaire où les garçons et les filles peuvent se projeter dans un avenir à la hauteur de leurs rêves, de leurs ambitions, de leurs désirs. Et pour y arriver, valoriser le travail des femmes, c'est une nécessité. Et donc je voudrais dire un dernier mot. Suite aux remarques qu'on a pu voir par rapport à des personnes et des hommes en l'occurrence, qui s'inquiètent un peu par tout ça. C'est comme si, oulala, tout notre héritage, toute l'approche patrimoniale classique qui construit notre société allait s'effondrer d'un coup. Je voudrais vous rassurer, messieurs, qui seraient inquiets, on ne vous enlève rien du tout, rien. On vous enrichit. On enrichit l'approche patrimoniale classique de tout un pan qui a été invisibilisé, qui est l'approche matrimoniale qui a existé. On ne vous enlève rien, on vous enrichit, on s'enrichit tous. Et un dernier mot sur l'état d'esprit de l'amendement, c'était vraiment ce que je disais sur la nécessité d'avoir des rôles modèles pour encourager les petites filles, les jeunes filles à se projeter, et s'embarquer dans des trajets professionnels souvent réservés aux hommes, parce qu'aussi on a la philosophie de l'amendement, c'est vraiment visé sur l'adolescence qui est un moment de construction identitaire, et puis aussi c'était faire le lien avec toute la grande réforme structurelle que vous connaissez du système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles, du pacte pour un enseignement d'excellence, où dans le tronc commun il est prévu d'avoir des activités orientantes, et dans ces activités on pourrait tout à fait prévoir des parcours pédagogiques éducatifs qui amènerait les jeunes garçons et les jeunes filles à découvrir toute la richesse de notre patrimoine et de notre matrimoine. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Chabert. Mevrouw Lotte Stoops, u hebt het woord. Hoort u mij? Ja, mevrouw Stoops, u hebt het woord. Oké, dankjewel. Ik wist niet of u mij hoorde. Dankjewel, collega Lefranc, om deze, wat mij betreft, exemplaire resolutie, dus om die vrouwelijke erfgoeddagen structureel in te bedden en voor te brengen. Want ik ben blij dat we door deze resolutie ten voordele van het patriarchaat het hier plenair toch nog eens onverbloemd mogen hebben over het juk van het patriarchaat. Een juk, zowel voor vrouwen als voor mannen. Laat me daarin alsjeblieft heel erg duidelijk zijn, want het is geen strijd tussen of tegen de mannen, maar tegen een systeem, een wereldbeeld. En een wereldbeeld is een constructie, dus het kan ook anders. En staan we toe hier toch wat in herhaling te vallen van wat de commissie zei, want ik vind het zo belangrijk, want waarover je praat bestaat. Een wereld die zich zo immens laat domineren door dat patriarchaat, door dat eenzijdige mannelijke perspectief, zien we geschiedkundig samenvallen met de opkomst van het kapitalisme. In de 17e eeuw bracht het privatiseren en winst maken door arbeid met zich mee dat het ter beschikking zijn van arbeidskrachten heel belangrijk werd. En ja, die moesten door vrouwen worden gebaard. En die hele reproductieve arbeid, dat arbeiders maken, werd door mannen georchestreerd en de kracht van de vrouwelijke seksualiteit werd ingekapseld. Maar de kracht van de vrouw tout court werd ingekapseld. En dat ging zelfs zo ver dat zelfs de woorden die vrouwelijke macht en kracht uitstraalden, verketterd werden. En dit brengt me bij het amendement dat ik samen met de collega's wil toevoegen aan deze resolutie. Want eerst werd ik zo geabsorbeerd door de inhoud hiervan dat ik in mijn wereld al enkele verketterde woorden weer organisch in ere had hersteld. Ik heb het dus over matrimonium. In het Nederlands is momenteel de enige correcte betekenis huwelijk. Maar vroeger was dat net zoals in het Frans, matrimoine, dat wat je in het huwelijk van je moeder erfde. Naast het patrimonium, dat wat je van je vaderskant nagelaten werd. En in het Frans werd ook matrimoine
was in 2012 opnieuw gebruikt. Het is dus geen neologisme. Het is een in ere herstellen van gendergelijkheid. Maar dus in het Nederlands spreken we niet over die patrimoniumdagen, maar gebruiken we het genderneutrale erfgoeddagen. En het doel van deze tekst is nu natuurlijk juist om de ondervertegenwoordiging van het vrouwelijk perspectief in de kijker te stellen. En we stellen dus voor om in de tekst te spreken over vrouwelijke erfgoeddagen, zodat de inhoud meteen ook duidelijk is voor iedereen. Maar die ongelijkheid moeten we blijven onderstrepen tot gelijkwaardigheid een feit is. Want vrouwen moesten en moeten nog te vaak opletten wanneer ze ingaan tegen de rol die vanuit het perspectief van de man voor hen is weggelegd. De straatnamen werden bijvoorbeeld enkel toegewezen aan mensen die uitmuntende prestaties leverden en van onberispelijk gedrag bleken geweest te zijn. Maar vrouwen sprongen er enkel uit met hun prestaties door net niet onberispelijk te zijn. In een wereld die hen weinig ruimte liet om hun eigen rol te spelen. Enkel ten tijde van oorlog kwam dat eventjes door gebrek aan mannen. Toen kregen ze wel wat ruimte, maar ze mochten die wel weer inleveren in tijden van vrede. Patriarchaat deelt echt deel tot onze onbewuste vooroordelen toe. Het heeft een effect op hoe we naar de dingen kijken en wat we bewonderen. En het hele normatieve frame dat we nu al generaties meedragen, die associaties die aan bepaalde groepen worden toegeschreven en die dus een bepaalde groep mensen meer rechten, meer privileges en bescherming biedt, leidt tot systemische en intersectionele discriminatie. En racisme en discriminatie zijn op persoonlijk niveau al behoorlijk ingeschreven in ons strafrecht, maar die impliciete bias die het geheel van die geïnstitutionele discriminatie aanpakt, glipt ons als maatschappij nog door de vingers. Anaïs Pereira en Apolline Franke vulden met de organisatie van de eerste twee Brusselse Journée du Matrimoine een leemte. Een leemte die ons met rode wangen doet beseffen hoe lang die leemte onzichtbaar bleef. Want nog te vaak zien we ook vandaag de leemtes niet. Nog te vaak worden binnen cultuur en elders de hoogste, verantwoordelijkste posities bekleed en toegekend aan eenzelfde profiel. En dat profiel blijft op zijn beurt de wereld op eenzelfde manier definiëren. En dat patriarchaal perspectief laat weinig ruimte over om op een oprechte manier de instituten, de openbare ruimte en onze wereld te herdenken naar de noden van vandaag, naar een inclusieve wereld, weg van institutionele discriminatie. Het is dus tijd om in onze openbare ruimte, onze cultuur en cultuurinstellingen, werk te maken van het in ere herstellen van de vrouwen en andere groepen die niet in het patriarchale wereldbeeld passen. En daar kunnen we mee starten door van deze vrouwelijke erfgoeddagen hoogdagen te maken in ons Brussels gewest. Ik nodig dus iedereen uit om deze tekst nogmaals, zoals in commissie, unaniem goed te keuren. Dank u wel allemaal. Dank u, mevrouw Stoops. Alors, je cède à présent la parole à madame Margot Doré. Oui, merci monsieur le président, mais je voulais déjà remercier les collègues pour le débat qui a été vraiment très constructif en commission. Je ne vais pas ici revenir évidemment sur le texte et son mécanisme parce que je crois que ça a été déjà bien discuté, mais plutôt revenir brièvement sur le fond du sujet parce que comme Madame Chabert l'a dit, en sortant de la commission la dernière fois, j'étais plutôt de bonne humeur, heureuse et contente du travail accompli. Et puis j'ai vu que sur les réseaux sociaux, certains s'étaient emparés du sujet pour s'en moquer. Et je vais du coup me permettre de revenir brièvement sur l'intérêt de traiter une telle question dans les murs du Parlement. On sait que l'espace public a été étudié en long et en large, et on sait que les études ont montré qu'il était profondément inégalitaire. Allant jusque, par exemple, à la question des tickets de métro, dont en fait la modalité de validité et le temps de validité étaient davantage pensés pour un homme adulte qui va aller au travail d'un point A à un point B, sans être chargé, sans faire d'arrêt sur son trajet et ce genre de choses. On sait que l'espace public a été construit à la base par et pour les hommes parce que, à l'époque, la place des femmes était perçue comme davantage une place qu'elles devaient occuper à l'intérieur du foyer, à la maison, s'occuper des enfants, etc. Et que donc l'espace de la rue était vraiment quelque chose qui n'était pas construit pour elles et qui n'appelait pas à leur présence. Évidemment, ceci est une représentation d'un autre temps. Les choses ont bien changé depuis lors. Et donc, on travaille de façon acharnée dans ce Parlement à essayer de rendre l'espace public plus égalitaire. Et je crois que ça passe par deux
volets de propositions. D'abord, il y a toutes les propositions pour rendre l'espace public plus égalitaire d'un point de vue physique. C'est la lutte contre le harcèlement de rue. C'est l'amélioration des infrastructures pour qu'elles soient plus accueillantes. C'est le fait d'avoir des toilettes accessibles aux femmes dans les rues. C'est le fait d'avoir des visites exploratoires pour certains projets urbanistiques où on va justement voir si certaines constructions sont assez accueillantes pour toutes les personnes, tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et puis alors, il y a des mesures plus symboliques. Et donc, j'entends que ça peut parfois paraître plus futile. Mais en fait, ça permet aussi de lutter de façon structurelle sur la question des inégalités. C'est par exemple le fait de mettre, de valoriser dans l'espace public des œuvres faites par des femmes, par exemple les œuvres d'art qui sont dans les métros, de les visibiliser dans les noms de rues, les noms de places ou les noms de stations de transport en commun. Bref, le fait de mettre en lumière justement les protections architecturales des femmes dans une proposition comme celle-ci, c'est vraiment une façon de réagir à cette seconde question et ce second volet de mesures plus symboliques, enfin qui traite de la place symbolique des femmes. Alors, le matrimoine, c'est aussi trois autres choses. Donc, je le disais, c'est le fait de valoriser des productions de femmes dans l'espace public, mais c'est aussi le fait de donner plus de visibilité à des femmes qui sont des techniciennes, qui sont des architectes et qui ont souvent été oubliées par l'histoire. Et aussi, une certaine façon de valoriser des productions culturelles, quand on parle d'œuvres d'art notamment. Et on sait que le monde de la culture ne donne pas toujours la même visibilité aux personnes des deux genres. Enfin, et je vais ici souligner l'intérêt de l'amendement que j'ai déposé, enfin que par la voix de mon chef de groupe, mais que donc mon groupe a travaillé récemment, c'était l'idée de vraiment valoriser l'existant. En ce sens, on n'a rien inventé, en fait, ici. Le matrimoine est une question sur laquelle l'associatif se penche depuis de nombreuses années. J'ai pu participer aux deux éditions des journées matrimoine bruxelloises. Et donc, l'idée était d'avoir un texte qui colle à cette réalité, qui la comprend et qui l'intègre. Et donc, je voulais vraiment remercier mes collègues d'avoir accepté, parce que c'est vrai que ça changeait du coup très, très fort les demandes du texte, mais pour pouvoir justement valoriser ces militantes dont on a parlé et qui font un travail formidable. Je crois que ne pas invisibiliser les femmes dans notre société, c'est aussi pouvoir les montrer dans notre travail parlementaire notamment. Et alors, je voulais donc conclure simplement en félicitant le travail des associations de terrain qui traitent de ces questions. Il y a l'architecture qui des genres et l'îlot qui ont été cités. Il y a aussi Un nom peut-être, Mémoire décoloniale. Bref, beaucoup d'associations qui font du travail de la visibilisation des femmes et des minorités une priorité quotidienne. Merci beaucoup. Merci, Madame Doré. Je cède à présent la parole à Tinu de Beurtal mevrouw Zamouri. Dank u wel, meneer de voorzitter. En eerst en vooral bedankt collega Lefranc voor deze resolutie, die wij absoluut ook meesteunen. Een aantal jaar geleden, net op het einde van de vorige legislatuur, hebben we de eer gehad om Sophie de Schaapdrijver, historica, uit te nodigen in ons parlement op 8 maart. En ik had toen samen met collega Teitelbaum de eer om haar te ontvangen om ons te komen spreken over haar boek, over Gabrielle Petit. En Gabrielle Petit was een jonge vrouw die in Brussel leeft, die in een klerenwinkel werkte en die, zoals heel veel Brusselaars, in die tijd niks betekende of heel weinig moest rondkomen met heel kleine dingen. En die op een bepaald moment, die werkte in een klerenwinkel en er waren altijd staaltjes. En ze is eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, ze is tijdens de Eerste Wereldoorlog een zeer, zeer, zeer belangrijk element geweest. Vooral hier in Brussel, rond het doorgeven van informatie tegen de Duitsers. En Gabrielle Petit zei op een bepaald moment, ik ben eindelijk geen staaltje meer, maar ik beteken iets. En Gabrielle Petit, haar standbeeld, staat nu iets verder aan het parlement, aan het Sint-Jansplein, waar het Libanese restaurant is. En daar zijn we heel blij om. En ik ben heel blij dat we met dit verhaal, met deze resolutie, dat kunnen verder zetten. Dat we mensen, Brusselaars, vrouwelijke Brusselaars, een plaats geven in onze omgeving, in onze straten, in ons straatbeeld. En jammer genoeg, door een of ander detail zijn we er niet in geslaagd om onze naam daarin te zetten, maar we hebben zeker de amendementen goedgekeurd die daarin staan. Maar wij willen hiermee echt duidelijk maken dat de vrouw altijd complementair is geweest aan het werk van de mannen. En complementair in net dat ietsje meer, net die cement die alles doet vastmaken.
En het is, ik spreek niet over mezelf, ik spreek over vrouwen die een betekenis hebben gehad in onze maatschappij, dat het altijd niet door de heldin te willen zijn, want zij gaan niet heel zwaar zich manifesteren. Het is altijd subtiel en het is altijd voor het goed van de zaak. En niet om zichzelf in de kijker te stellen. Dus denk ik dat het vandaag de moment is om echt te kiezen om meer deze personen in de kijker te zetten en door hen een plaats te geven in onze maatschappij op een zeer visuele manier. Voilà, ik wou het toch nog eventjes aangeven dat we inderdaad daar tijdens de Dag van de Vrouw op 8 maart toen in het verleden, en ik ben daar heel fier op, dat ik dat zelf mocht voorzitten toch op dat moment, dat we Gabrielle Petit een hele mooie plaats hebben gegeven, een heel voorname plaats, vlak aan het Brussels parlement. En ik dank collega Véronique Lefranc voor het initiatief en natuurlijk alle andere collega's die daarmee gesteund hebben. Voilà. Dank u, mevrouw Zamouri. Madame Bomélé, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord commencer par saluer l'initiative de notre collègue, Madame Lefranc, qui essaie de contribuer à lutter pour l'égalité des femmes. Et voilà, c'est une très bonne chose. Mais également, je tiens à féliciter l'accomplissement de ce beau travail, comme l'a dit mes collègues. C'était vraiment un travail collectif où on a mis de côté toutes les divergences politiques pour avoir un vote de majorité. C'est une très bonne chose. En effet, au sein de la Commission égalité des chances, c'est une problématique qui nous tient vraiment à cœur, mais aussi personnellement, notamment avec le projet que je porte, qui est celui de la création d'un musée du matrimoine. J'espère donc que par la suite, cette idée viendra quand même compléter ces journées du matrimoine. Le groupe des filles s'est mobilisé depuis toujours à promouvoir cette égalité et à travers notamment la proposition de résolution sur la féminisation de l'espace public et de toutes les mesures en faveur de la promotion de l'égalité des femmes dans la formation et l'emploi que tient à travers notre ministre Bernard Clairefaillé, qui est vraiment motivé dans ce sens-là. L'égalité femmes-hommes doit se manifester dans tous les lieux. Derrière nos œuvres d'art se cachent des histoires, des luttes et des combats vécus par les femmes. Il est important de célébrer l'héritage laissé par les femmes. Il faut que les femmes reprennent possession à part égale avec les hommes de l'espace public. Les femmes ont, tout comme les hommes, participé à l'écriture de notre histoire, au façonnage de notre culture et de notre architecture. Cela doit vraiment être mis en avant dans les programmes scolaires. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Poursuivez. Oui. Ouais. Ok, merci, parce que je vois quelque chose sur mon écran. Cela doit vraiment être mis en avant dans le programme scolaire. C'est vraiment très important. Moi, qui ai deux filles, je souhaite qu'elles puissent s'appliquer l'espace public en toute liberté de conscience et sans se demander si cela leur est possible en tant que femmes. L'héritage que nous, on a transmis, que toutes ces femmes ont transmis, en faire surface, ça c'est important, afin d'être reconnues et connues par tous, notamment pour que les femmes servent de modèle et d'exemple pour toutes les jeunes filles, que ces jeunes filles puissent se dire, voilà, je suis rassurée que tout est possible, peu importe que je sois une femme ou un homme, mais je peux marquer mon histoire. Durant mes activités politiques et associatives, je promets beaucoup le vivre ensemble à travers des rencontres. Il est donc important pour permettre de diffuser cette vision du vivre ensemble, qu'il soit la plus égalitaire possible, que cela passe par le fait de reconnaître l'autre, reconnaître son existence et reconnaître ses actions. On peut donc dire par là reconnaître aux femmes cette part d'héritage qu'elles nous ont transmis. Je pense que cela est très important et contribue à ce que notre région soit un modèle en matière d'égalité femmes-hommes à tous les échelons de notre société. Moi, comme dit ma collègue, il ne s'agit pas non plus, Madame Chabert le disait, il ne s'agit pas non plus d'effacer ou de remplacer l'héritage acquis par les hommes, mais il s'agit de compléter l'histoire manquante, l'héritage manquant de toutes ces femmes qui ont participé à la construction de notre histoire. Le groupe des filles ne peut donc soutenir ce projet et souhaiter qu'il puisse s'instituer de manière pérenne et connaître une répercussion au sein des autres régions, en espérant également que ces événements connaîtront le même niveau d'engouement de la promotion diffusion médiatique que lors des 10 journées du patrimoine. Une petite parenthèse, lorsque je préparais mon discours, Rod m'a souligné le mot matrimoine pour m'indiquer qu'il y avait une erreur. Il m'a proposé de le remplacer par le mot patrimoine. Il y a, je pense, un vrai besoin de changement de mentalité à tous les niveaux, que ce soit humain comme technologique, c'est-à-dire informatique. Le groupe des filles et le gouvernement sont déjà en action pour défendre et lutter contre toutes les formes d'inégalités. Ainsi, dans sa déclaration de politique
générale commune, notre gouvernement prévoit que la politique de valorisation du patrimoine sera renforcée, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance sur le patrimoine culturel, mobilier et immobilier. Le patrimoine bruxellois est riche et diversifié, tant du point de vue archéologique, architectural, historique, culturel et folklorique ou environnemental. Ces patrimoines constituent autant de repères importants pour les habitants. Ils contribuent à la convivialité, à l'attractivité de la ville. Les Bruxellois doivent être fiers de leur patrimoine et le gouvernement entend faire de sa préservation et sa mise en valeur un axe fort de l'attractivité de Bruxelles au niveau international. Je tiens donc à réitérer le fait que le groupe des filles vote en faveur de la résolution relative à l'organisation journée du patrimoine en région de Bruxelles-Capitale. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Beaumélé. Ouais. Monsieur Haïdar. Merci, Monsieur le Président. Alors, on entend des termes comme patrimoine, matrimoine. Et donc, tout d'abord, laissez-nous, même si on a l'impression qu'on parle toujours d'objets ou de statues ou bien de l'art, mais on peut parler aussi de le patrimoine humain. Et donc, au nom de mon groupe, Monsieur le Président, nous voulons d'abord faire nos condoléances pour votre père, le décès de votre père, puisqu'effectivement, il a laissé un beau héritage. Et donc, de temps en temps, il faudrait penser peut-être à nos parents qui ont laissé quand même des belles choses. Et donc, revenons à notre thème par rapport au matrimoine. Chers collègues, c'était pour moi un immense honneur de pouvoir co-signer cette résolution portée par notre collègue Véronique Lefranc. Alors, cette résolution m'a permis, Monsieur le Président, même si je suis bien entouré avec Als Rochette et Ile de Sable, m'a permis de réaliser à quel point le choix des mots pouvait être génératrice de sous-représentation et de dévalorisation d'une partie de la population, les femmes. Cela m'a doublement interpellé, vu qu'en néerlandais, nous ne faisons pas de distinguo, comme je l'ai dit en commission, de genre pour qu'on qualifie un bien. Nous utilisons le terme « erfgoed », qui s'utilise tant au féminin qu'au masculin. Et je suis assez content que Mme Sietje van Achter a déposé avec le groupe NVA un amendement pour apporter peut-être une correction du côté néerlandais qui permettra d'abord d'être beaucoup plus clair et de bien montrer effectivement qu'on parle bien de l'héritage qui est laissé par les femmes. Et si ça peut permettre d'éviter les confusions, c'est avec plaisir que nous voterons en tout cas cet amendement. Néanmoins, il est assez clair qu'en utilisant la notion du matrimoine, nous donnons une voix de plus importante aux femmes et nous montrons aux générations à venir l'immense héritage historique et culturel laissé par ces femmes extraordinaires. Leur empreinte servira de repère et de motivation pour ces femmes actuellement majoritaires dans les écoles d'art, mais toujours sous-représentées au sein des directions de lieux culturels, à l'affiche de festivals, aux festivals, dans des collections de musées, etc. Ce n'est pas le but de mettre les artistes ou les patrimoines en concurrence, simplement c'est valoriser ce qui existe déjà ou de permettre à ceux qui voudraient se lancer dans ça, qu'ils savent qu'il y a un espace pour eux, certainement dans notre région, et j'espère qu'on pourra faire ça dans le reste du pays. Beste collega, ook in de openbare ruimte zijn vrouwen minder zichtbaar dan mannen. We hebben dat ook gezegd in de commissie, minder dan 6% van de Brusselse straten zijn naar vrouwen genoemd. En passant wil ik graag de gemeente loven die hiervoor al zijn gaan nadenken om bepaalde straten een monument, een vrouwennaam, te geven. Laten we ook niet vergeten dat deze vorm van onzichtbaarheid, deze niet-waardering van de vrouw, onze dagelijkse keuze en beslissing op verschillende niveaus beïnvloedt. Met deze resolutie geeft Véronique Lefranc mij ook de gelegenheid mij uit te drukken als vader, echtgenoot, zoon, broer en collega van vrouwen met een oprecht belangstelling voor de valorisatie van het vrouwelijk erfgoed in onze regio. Daarom, meneer de voorzitter, monsieur le président, j'ai commencé avec ça en parlant du père et de la mère. Et je pense qu'effectivement, on ne les met pas souvent en avant. Et un jour, je me souviens très bien, j'étais à l'école primaire et j'étais quand même, à ce moment-là, un bon élève. Et ma mère n'était pas là, mais c'est mon père qui était là. Et le prof disait, félicitations, monsieur, vous faites du bon boulot. Et ainsi de suite, j'avais envie de lui dire, mais non. J'ai dit, mais ma mère, elle aussi, elle fait du bon boulot. Elle s'occupe de moi, elle me donne des valeurs, elle regarde si j'ai fait mes devoirs. Elle fait et elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que toutes ces femmes qu'on ne met pas en avant peut-être permettra aujourd'hui de les mettre aussi en avant, même si ce n'est pas une pièce d'art qu'on va voir dans un musée, mais que peut-être un héritage qui est important qu'on doit aussi valoriser. Je vous remercie. Merci, Haïdar, pour ces paroles. Madame de Baat, Mevrouw de Baat.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil eerst en vooral natuurlijk ook mijn collega, mevrouw Lefranc, bedanken voor haar initiatief en toch ook wel de kans die ze ons geboden heeft om dit mee vorm te geven, mee uit te werken. Zoals we de tekst in de vorm die we vandaag kennen hier kunnen bespreken. Het stemt mij natuurlijk ook zeer tevreden en hoopvol ook wel, hè, over verdere samenwerking, dat een tekst die vanuit de oppositie komt toch ook wel op bijval kan rekenen van collega's van de meerderheid. Dat is niet de eerste keer, laat het zeker ook niet de laatste zijn. Nu het creëren of versterken van deze matrimoniumdagen en ik moet mij onmiddellijk verbeteren, vrouwelijke erfgoeddagen. En daarbij wil ik toch ook wel collega's van achter en mevrouw Lotte Stoops bedanken voor hun opmerkzaamheid, want inderdaad, matrimonium heeft een heel andere betekenis. Dat was mijzelf, ja, moet ik tot scha en schande vaststellen, ontgaan. Dus goed dat zij dat hebben rechtgezet. Zijn belangrijk, waarom? Omdat zij er toch wel op wijzen welke belangrijke vrouw, welke belangrijke plaats liever vrouwen hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Brusselse samenleving, kunst, cultuur en zo verder. Het is natuurlijk ook in navolging van eerdere initiatieven die een paar jaar geleden in Frankrijk zijn ontstaan, dat ook hier in Brussel een tweetal jaar geleden het levenslicht heeft gezien. En moet ik toch ook wel zeggen dat wij vanuit dit assemblée er bij de organisatrices zeker moeten op aandringen dat zij hun expertise daar rond verder ter beschikking stellen. Meer aandacht en ook meer waarde hechten aan het belang van vrouwelijk erfgoed betekent ook dat we vrouwen toch wel de rol geven die hen toekomt in de huidige samenleving. En dat daarbij ook het respect en de plaats voor vrouwen zal toenemen en vergroten. En dan denk ik, zoals andere collega's, ook nog zo net meneer Aghi daar wees erop, de vervrouwelijking van straatnamen, van pleinen, van openbare kunst en 6%, dat is niets om fier op te zijn. Dat is belangrijk, dus ik hoop dat het gewest dat de regering daar verder vaart achter zet om dat meer in evenwicht te brengen. Het kan ook niet anders, en daarmee ga ik stellen afronden, dan toch even stil te staan bij de plaats van vrouwen in de openbare ruimte. Want als we eerlijk zijn, moeten we toch wel vaststellen dat er te veel plekken in Brussel, maar dat is ook in andere steden zo, nu gedomineerd worden door een nagenoeg uitsluitend mannelijke aanwezigheid, waardoor vrouwen zich vaak niet comfortabel, niet veilig voelen dat ze bepaalde plekken gaan mijden. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Openbare ruimte is er natuurlijk voor en van iedereen. En dat is belangrijk om daar aandacht aan te besteden, ook zeker bij het ontwerpen ervan. Want we merken toch wel dat vaak publieke plaatsen, ik denk aan ondergrondse parkings, dat het eigenlijk al bij het ontwerpen van en bij de constructie, dat het daar fout loopt door bijvoorbeeld slecht verlichte gangen, dode hoeken waarbij je niet ziet wie er achter je komt en zo verder. Dus al die dingen moeten er toch toe bijdragen dat deze stad, dit gewest, veilig, comfortabel en ook rechtvaardig en meer gelijke samenleving, dat moet het einddoel zijn. Dus ik ben blij dat ik dit namens CD&V mee kan steunen. Ik dank. Dank u, mevrouw De Baat. Oui, monsieur Aida, je vous en prie. Oui, sorry, meneer de voorzitter, maar ik had ook vergeten om mevrouw Lotte Stoops te bedanken eigenlijk, omdat die heeft ook hard gewerkt aan die amendementen, samen met mevrouw Sietje van achter. En voilà, ik moet dat een beetje toch correct zetten in deze. Dank u. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des considérants et des tirets du dispositif de la proposition de résolution sur la base du texte adopté par la Commission. Je rappelle qu'il y a eu le dépôt de deux amendements qui ont été d'ailleurs rappelés par les différents orateurs. Donc, nous avons un amendement numéro 1 qui vise en fait à ajouter deux considérants pour préciser le terme matrimonium dans la langue néerlandaise et de mieux expliquer l'évolution de la signification de ce terme. Donc il devient un considérant 8 et 9. Et nous avons un deuxième amendement qui modifie l'intitulé et en fait qui prévoit au tiret 1 et 3 du dispositif et à l'intitulé, dans l'ensemble du texte néerlandais, le mot matrimonium dagen est remplacé par le concept de vrouwelijk erfgoeddagen.
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les amendements, les considérant les tirés du dispositif réservé et sur l'ensemble de la proposition de résolution. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de Mme Tettelbaum, Mme Durcel et Mme Debats visant à réduire la nuisance des mégots de cigarettes dans l'espace public et à les recycler. C'est les documents A23.1 et 2. La discussion générale est ouverte. La parole est à Mme Nagy, rapporteuse. Bonjour Monsieur le Président, chers collègues. L'exposé introductif de Mme Tettelbaum précise que le texte est ouvert à signature avec, pour d'autres commissaires. Et d'ailleurs, Mme Tchekalski aurait voulu le signer. Déposé lors de la précédente législature, Écolo avait d'ailleurs formulé certaines remarques mineures qui ont été intégrées dans le texte qui a été proposé à la Commission. Le Parti socialiste, quant à lui, a proposé la mise sur pied d'un groupe de travail et à la suite d'allers-retours et d'emails, le groupe de travail ne s'est jamais réuni, dit Mme Tettelbaum. Elle regrette le manque de courtoisie à propos d'un texte dont les enjeux politiques sont limités. En effet, ce texte s'attaque au fléau du jet de mégots de cigarettes qui représente 30 à 50% des déchets ramassés en ville. Malgré une conscientisation accrue de la population, 30 millions de mégots sont jetés chaque jour dans la nature en Belgique. Ce geste paraît anodin, mais il a un coût considérable pour le nettoyage de la région bruxelloise et des communes. Les mégots peuvent également atterrir dans les égouts. La toxicité de ces déchets est démesurée puisqu'un seul mégot met une douzaine d'années à polluer et pollue à lui seul 500 litres d'eau en libérant 4000 produits chimiques. Le texte vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de ce geste en offrant des solutions leur permettant de voir ces mégots comme une ressource. L'un des aspects qui ressort est le manque de sensibilisation aux conséquences environnementales et le manque d'infrastructures appropriées à certains endroits clés. Une fois que on récolte les mégots et qu'on les examine, on peut, dans certains endroits, les retravailler puisque l'acétate de cellulose est recyclable. On peut alors les débarrasser des 4000 substances chimiques qu'ils contiennent. Cette matière peut ensuite être transformée en une forme de plastique qui peut servir à confectionner des objets. La proposition s'inscrit dans des objectifs actuels du gouvernement visant à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Elle espère donc que cette proposition de résolution fera l'objet d'un soutien de la part de ses collègues. Madame Selchevin-Acteur confirme que les mégots de cigarettes sont un gros problème auquel sont confrontées les villes et communes. Elle regrette que le groupe de travail n'ait pas pu se réunir. Elle pense qu'il serait possible d'aller plus loin pour régler ce problème de pollution. Il faut également pouvoir inciter, informer et donner des éléments de sensibilisation. Il faut pouvoir encourager les cendriers mobiles. Elle ne voit pas de proposition dans ce texte à ce propos. À Bruxelles, les propriétaires de chiens sont obligés d'avoir des sacs avec eux. Un système de cendriers mobiles pourrait être étudié pour les fumeurs. La question des négociations avec l'industrie du tabac la laisse un peu sur sa faim. Un autre dialogue avec l'industrie du tabac est envisageable. Elle pense notamment à la recyclabilité de leurs produits. Le dialogue peut être plus large et ne pas uniquement viser la question de la prise en charge des coûts externes. Concernant le recyclage des mégots, des entreprises françaises et britanniques sont citées. L'autrice de la proposition de résolution a-t-elle connaissance d'autres entreprises avec des initiatives de recyclage qui seraient plus proches, car il lui semble une mauvaise idée de transporter de tels déchets si loin. Madame Leïla Agic rejoint les considérations relatives aux problèmes que posent les mégots. Cependant, l'entreprise citée par Madame Tettelbaum est située à plus de 900 km. Ce recyclage pose encore des problèmes car il reste de la nicotine dans les produits recyclés. Cela n'enlève rien à la nécessité de mettre en place des campagnes de sensibilisation. Madame Lotte Staub se joint au constat de la proposition de résolution. Il est vrai que le transport vers l'étranger de ces déchets pose problème. Bruxelles Propreté travaille actuellement avec des communes afin d'objectiver les critères de nettoyage. Pour Madame Caroline Deboc,
qui soutient la mise en place des fonderies urbaines, les campagnes de sensibilisation ainsi que les perspectives de recyclage de ces mégots. La proposition qui concerne un centre de recyclage qui se situe à 900 km paraît pour l'instant peu pertinent. Madame Parmentier souligne l'importance du problème de mégots de cigarettes. Il s'agit du déchet que l'on trouve le plus. La région doit renforcer son action en la matière. Il est évident que la sensibilisation joue un rôle important. Pour Madame Marinagi, qui indique que les mégots de cigarettes font partie de ce problème environnemental totalement sous-estimé, y compris par les fumeurs et l'industrie du tabac. Elle pense qu'un point important de la proposition de résolution est la responsabilisation des sociétés de l'industrie du tabac ou les fumeurs eux-mêmes. L'action consistant à rendre visibles les mégots ramassés permet de constater la quantité impressionnante de ces déchets jetés dans l'espace public. À force d'attendre de trouver des solutions, la pollution augmente. Elle salue l'initiative de s'adresser aux cigarettiers et d'inciter l'autorité fédérale qui peut agir au niveau des normes des produits. Madame Hildesabe relate que ce salissement de nos rues est démotivant. C'est aussi une atteinte à l'environnement. Il y a suffisamment d'arguments pour agir. Ce n'est pas parce que cette résolution provient de l'opposition qu'elle est mauvaise. Dès lors, bien que dans la majorité, elle soutiendra la proposition de résolution. Madame Gladys Casady estime que le recyclage et les cendriers ne sont pas la meilleure approche. La question du nombre de fumeurs est plus intéressante. C'est sous cet aspect-là qu'il faudrait en premier lieu travailler puisque le système proposé par la résolution ne vise pas à diminuer la consommation de cigarettes, mais elle a des doutes sur le procédé de recyclage. Madame Victoria Ostrat rappelle que le gouvernement a annoncé la prise en considération du problème des mégots de cigarettes dans la stratégie de propreté publique. Elle partage le constat qu'il n'y a pas assez de poubelles aux endroits clés. Elle adhère à la logique du pollueur-payeur qu'il faudrait aborder avec l'industrie, mais pense que cette option n'est pas et peu réaliste. Madame Teitelbaum remercie Madame Saab de son soutien. Elle regrette néanmoins d'avoir été lanternée pendant un an sur un groupe de travail qui ne s'est jamais réuni. Depuis que le texte a été rédigé, une usine de traitement a ouvert à Cologne. Il faut quand même rappeler que nous envoyons une partie de nos déchets à Cologne ou à Liège. Un centre de recyclage créé à cet effet en Belgique présenterait certaines opportunités. Si l'augmentation des cendriers urbains est intéressante, la proposition va plus loin en suggérant des cendriers connectés et intelligents. Elle invite les collègues à la réflexion. La région bruxelloise pourrait avancer sur ce sujet. Madame Selche Van Acter insiste sur l'intérêt d'examiner ce qui se fait avec les chiens l'assimiler pour la question de la cigarette. Elle maintient son abstention. Et finalement, Madame Teitelbaum précise que la Flandre est entrée en dialogue avec l'industrie du tabac qui contribue à des campagnes de sensibilisation et de nettoiement, même si cela demeure un peu marginal. Alors, le vote final, la proposition de résolution est rejetée par 9 voix contre 3 et 2 abstentions. Confiance a été faite au rapporteur. Merci pour votre attention. Merci, Madame Nagy. Alors, je cède la parole à Madame Viviane Teitelbaum. Merci, Monsieur le Président. Mes chers et chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier ma collègue Marie Nagy pour ce rapport très complet. Je vais essayer de ne pas me répéter par rapport aux éléments qui ont déjà été donnés. Toutefois, je voudrais quand même vous dire que cette proposition de résolution poursuit des objectifs que je pense nous partageons toutes et tous, qui est la propreté de l'espace public, la protection de l'environnement et le recyclage pour ce déchet écotoxique. Il faut quand même bien le rappeler, et c'est particulièrement interpellant en cette période où on essaye quand même d'améliorer par tous les moyens cette qualité de la qualité de notre environnement. Alors, en tant qu'ancienne échevine de la propreté publique, je peux vous assurer que le ramassage de ces mégots est particulièrement pénalisant pour les agentes et les agents de la propreté publique, parce qu'il faut quand même bien comprendre que
trop souvent, un coup de balai ne va pas désincruster ces mégots entre les pavés ou sur les côtés, entre des dalles même. Et donc, très souvent, s'il n'y a pas l'aide d'un glouton, ils vont passer à la trappe via un avaloir et leur chemin va se poursuivre vers les égouts et de là vers certains cours d'eau. Et c'est là qu'ils vont évidemment révéler toute cette toxicité, puisque je rappelle qu'un mégot peut polluer 500 litres d'eau en libérant près de 4000 produits chimiques, tels que la nicotine, des édulcorants, des métaux lourds, enfin je ne vais pas tout répéter, des arômes de synthèse, et que ça va abîmer l'environnement pendant une douzaine d'années, comme l'a rappelé notre rapporteuse. Alors, notre volonté via cette proposition, c'est évidemment d'engranger un changement de comportement, de mentalité. Ce n'est pas au niveau de la commission environnement qu'on va pouvoir changer les habitudes de fumeurs ou non-fumeurs, mais en tout cas des comportements liés à ces fumeuses et ces fumeurs, en conscientisant ceux-ci et celles-ci à ce problème et en se représentant le mégot de cigarette d'abord comme un polluant extrême, un fléau, il faut bien le dire, mais aussi peut-être comme une ressource. Et donc plusieurs études ont été conduites auprès de fumeurs et fumeuses adultes pour comprendre les raisons de ce geste polluant, hein, ce jet de mégot par terre en confondant les trottoirs avec leur cendrier et d'identifier les leviers même afin de les faire évoluer. Donc, ces études révèlent le manque de sensibilisation sur l'impact désastreux de ce déchet ainsi que le manque d'infrastructures appropriées, cendriers, poubelles à certains endroits clés comme les arrêts de bus, les entrées de métro, les lieux de travail, etc. seraient à l'origine de ce comportement. Alors, pour inverser la tendance des cendriers dits pédagogiques et ludiques, ont convaincu plusieurs communes, il faut le rappeler, ainsi que certaines grandes entreprises internationales, parce que, il faut le dire aussi, les cendriers portables, moi j'en ai distribué des centaines, des milliers à XL, n'arrivent pas au bout de ces comportements et les sanctions, même à travers des flagrants délits des agentes et agents constatateurs, non plus. Alors, ces cendriers ludiques et écologiques proposent, par exemple, de voter avant d'écraser sa cigarette. Hein, combien de temps, par exemple, un mégot met-il de temps à se dégrader? Et alors, en fonction de la réponse, ils peuvent mettre leur mégot d'un côté ou de l'autre de ces bocaux réceptacles de mégots. Alors, le ministre a aussi confirmé ce mercredi en commission trouver cette solution de cendrier pédagogique et ludique très intéressante. Je voulais aussi pointer que les chemins à la propreté de Gansoren, qui a installé plusieurs cendriers de ce type sur sa commune il y a 2 ans, nous a confirmé la pertinence en termes de réduction des déchets et nous a fait part de chiffres qui sont quand même très intéressants, puisque sur les 12 points de collecte disponibles dans sa commune en un an, 76 kilos de mégots ont été collectés, soit 378 000 mégots recyclés, ce qui signifie qu'en un an, Gansoren a évité de polluer 189 000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent d'une cinquantaine de piscines olympiques. Je pense que c'est intéressant quand même à prendre en considération et peut-être à inverser le vote de mes collègues aujourd'hui. Une fois le contenant vidé, la seconde étape va consister à expédier le contenu vers une entreprise de recyclage sélectionnée par appel d'offres, puisque ces fibres synthétiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, ma collègue l'a fait au niveau de son rapport, sont recyclables, les filtres de cigarettes et ce qu'elles contiennent sont recyclables et le recyclage des mégots est un procédé qui commence vraiment à prendre son envol et pas seulement en France puisque des nouvelles usines de recyclage ont vu le jour, notamment une usine située à Cologne qui est donc à 300 km et non à 900 km de comme celle en Bretagne. Mais voilà, depuis le dépôt de ce texte, les choses ont continué à évoluer et il faut miser sur la recherche et le développement et investir dans l'innovation. C'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler, les déchets aujourd'hui sont envoyés de Bruxelles vers Ypres ou vers Liège, pas Cologne, Madame Nagy, mais vers Ypres ou Liège. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas inédit et on attend toujours l'usine de Biomet à Bruxelles, mais soit. Donc, le produit fini réalisé par cette entreprise est un cendrier de poche, hein, celle à Cologne, justement réalisé à partir de mégots collectés. En Bretagne, c'était du mobilier urbain. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ces objets
que ce soit des cendriers ou du mobilier urbain, une fois fini, participent à la prise de conscience sur la pollution engendrée par ces mégots de cigarettes et à la responsabilisation environnementale des fumeuses et fumeurs, qui est donc un des objectifs dans la lutte contre ce fléau. Alors, une étude de faisabilité est en cours aussi dans notre pays, en Belgique. Il semblerait qu'une usine de recyclage pourrait voir le jour en 2021 dans la province du Hainaut. Donc, ce serait encore plus proche Cologne, bien évidemment. Et donc, voilà, je pense que c'est des choses qui doivent nous inciter à réfléchir et à réfléchir. Alors, en plus, c'est inscrit en tant que tel dans les objectifs de ce gouvernement, hein, qui prévoit dans son accord de remplacer le modèle économique linéaire actuel en un système économique circulaire. On en parle beaucoup, et régénératif, récupérer, produire, consommer, réemployer, et à la fois compétitif sur les marchés pour nos entreprises et générateur surtout d'emplois nouveaux et locaux. Alors, un dernier aspect important de ce texte que je voulais souligner, c'est qu'il demande au gouvernement, sur base justement du principe du pollueur-payeur, d'entamer des négociations avec les industriels responsables de ces nuisances pour leur imposer une participation à la prise en charge de cette externalité des coûts de ramassage et de la sensibilisation, parce que cette sensibilisation reste importante, et notamment sur base de la nouvelle directive européenne des plastiques à usage unique et qui établit la responsabilité élargie des producteurs. Ça se fait déjà en Flandre, je l'avais dit, où une marque de cigarettes participe depuis 2009 au financement de matériel urbain adéquat pour collecter les déchets. Et donc, ce serait bienvenu qu'on avance sur ce sujet à Bruxelles également, sur base justement de la compétence régionale en matière de politique des déchets. Alors, même si les coûts encore assez élevés de ce nouveau processus pourraient être en partie absorbés par ces entreprises, ils doivent pouvoir contribuer à tout cela. Alors voilà, pour conclure, cette proposition pourrait contribuer efficacement à la propreté dans notre région, à un meilleur respect de notre environnement, au recyclage des déchets, à créer de nouveaux emplois. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous réexpliquer tout ça ce matin, Monsieur le Président, chers collègues. Madame Tchekalski l'a co-signé. Je remercie encore une fois One Brussels de l'avoir soutenue, Madame Sabe, et peut-être que au niveau de la majorité d'autres ou de l'opposition, d'autres personnes pourraient rejoindre le soutien de ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame Teitelbaum. Y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Je ne vois pas d'inscrits sur le chat. Je vois deux mains qui se lèvent en salle. Madame Van Achter et mevrouw De Baats. Ja, ik ga heel kort tussenkomen. Ik wil eigenlijk gewoon mevrouw Nagy bedanken voor haar uitstekend verslag. En onze positie werd heel goed uitgelegd, dus ik moet daar niks meer aan toevoegen. Dank u, mevrouw Van Achter. Mevrouw De Baats. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik vrees dat ik iets langer zal zijn dan de vorige collega gesproken heeft. Maar toch ook niet te lang, want inderdaad, mevrouw Teitelboom en mevrouw Dursel hebben een uitstekende situatieschets gemaakt. En dank ook aan mevrouw Nagy voor de verslaggeving. De cijfers spreken voor zich en die wil ik toch nog graag eens in herinnering brengen. Wereldwijd 137.000 sigarettenpeuken die elke seconde op straat of in de natuur worden gegooid. Dat is goed, ja echt waar, we hebben het opgezocht. Goed, en luistert u goed, voor een duizelingwekkende 4.300 miljard peuken per jaar. En ook in België zouden er 15 miljoen peuken per dag op de grond belanden. En dat zijn hallucinante cijfers, zeker als je weet dat de sigarettenpeuk gemiddeld pas na 12 jaar wordt afgebroken. En dat één peuk al voor 500 liter verontreinigd water kan zorgen. Dus ik denk dat dit voorstel er niets te vroeg komt. En de oplossingen staan in de tekst goed beschreven. Sensibiliseren natuurlijk, maar ook stadsasbakken. Een partnerschap dat de inzameling en recyclage van peuken moet bevorderen. Een degelijk controlesysteem. En natuurlijk, zoals ik zei, een voortdurende sensibilisering en voorlichtingscampagne zijn zeker belangrijke instrumenten om deze strijd tegen te gaan. We hebben geen seconde te verliezen, dat is duidelijk, omdat er, ik heb de aantallen genoemd, zoveel duizenden peuken op onze Brusselse straat, maar ook in de waterwegen belanden en dus zorgen voor verontreiniging en vervuiling.
Een thema waarvan je zou denken dat de meerderheid daar toch gevoelig aan is. Daarom vind ik het ook wel jammer dat deze tekst in de commissie eigenlijk toch wel wat is uitgedraaid op een spelletje tussen meerderheid en oppositie, waarbij enkel eigenlijk mevrouw Sabbe zich toch wel aansloot en kon vinden bij de tekst. En dat is jammer, want op die manier blijven we natuurlijk ter plaatse trappelen, terwijl Brussel de reputatie heeft van een vuile stad te zijn en dat we daar komaf moeten van maken. Als het in andere steden proper is, netjes is, als mensen dat ook zo ervaren, waarom zou dat dan in Brussel niet lukken? Dus ik hoop dat de collega's die zich kritisch hebben uitgelaten in de commissie toch nog tot een ander inzicht komen en hopelijk dit initiatief, maar ook volgende initiatieven die nog gaan volgen, hopelijk wel mee zullen stemmen. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u, mevrouw De Baat. Je vois madame Ostrate qui souhaite également intervenir et monsieur Roberti. Madame Ostrate. Merci, monsieur le président. Alors, tout le monde partage le constat selon lequel le problème des déchets de mégots, qui se chiffrent en plusieurs millions chaque jour en Belgique, doit concentrer davantage d'efforts. La proposition explique très bien les dégâts provoqués par les mégots jetés à terre, notamment en termes de pollution de l'eau. On peut y ajouter l'impact sur les animaux des villes, comme les pigeons, qui peuvent vouloir picorer les mégots. Dans ce cadre, je pense qu'on peut considérer que la proposition amène des pistes de solutions qui complètent les intentions du gouvernement. Celui-ci avait d'ailleurs annoncé que la question des mégots serait prise en compte dans le cadre d'une analyse spécifique qui s'intégrerait dans la stratégie générale de la région en matière de propreté publique. Je ne sais pas où en est cette réflexion, mais j'espère que la proposition de résolution permettra de la nourrir. Je pense par exemple au nombre de cendriers et de poubelles qui, malgré les efforts fournis ces dernières années, notamment par les communes, me semblent toujours insuffisants, surtout à certains endroits clés, on l'a dit, par exemple les arrêts de bus. De toute évidence, l'existence seule d'amendes en cas d'infraction n'est pas suffisante. Alors, je n'ai pas entendu de réponse à une remarque que j'ai formulée en commission lorsque le texte a été débattu et qui concerne la question du recyclage des mégots, une mesure demandée par le texte. Je me disais que c'était intéressant de connaître le coût environnemental et financier du processus et de le comparer à d'autres techniques de traitement pour s'assurer que le calcul n'est pas en fait défavorable. Je retiens aussi l'idée d'entamer une négociation avec les fabricants afin qu'ils participent à la prise en charge des coûts de ramassage et de traitement des mégots, selon la logique du pollueur-payeur. C'est un principe qui mérite d'être creusé, même si on peut s'interroger sur le côté réaliste de sa mise en place. Mais malgré ces deux petites remarques, j'estime qu'on peut soutenir le texte pour les pistes de solutions qu'il formule auprès du gouvernement. Je vous remercie. Merci, madame Ostrate. Monsieur Roberti. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous, et je souhaiterais tout d'abord remercier Madame Nagy pour son rapport très complet. Alors, une courte intervention au nom du groupe Écolo, d'abord pour remercier le MR et les auteurs du texte d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. C'est vrai que c'est un sujet important, ça a été dit, l'impact des mégots de cigarettes en matière de propreté publique est exécrable dans notre région, et nous pensons que c'est un sujet important et sur lequel la région et les communes doivent renforcer leur action. Mais il y a deux motifs principaux, je ne vais pas refaire tout l'exposé que nous avons fait en commission, mais quand même deux motifs principaux pour lesquels notre groupe ne soutient pas ce texte. Le premier, c'est que ça a été dit à plusieurs reprises en commission, il y a une stratégie de propreté publique qui est en cours d'élaboration, et ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises, et cette stratégie, c'est d'abord en concertation, en co-construction même, avec les acteurs concernés, notamment les communes. Et il est annoncé que cette stratégie doit aboutir cette année, en 2021. Donc, de notre point de vue, la question des mégots doit faire pleinement partie de cette stratégie de propreté urbaine. Et comme ça a été souligné, il y a déjà des actions mises en place dans certaines communes qui connaissent du succès, qui sont intéressantes. Eh bien, les communes étant associées, ce sera l'occasion pour elles de présenter ces actions et éventuellement d'encourager la région à les amplifier, à les soutenir et à les mettre en place à l'échelle régionale si elles sont couronnées de succès. Donc l'exemple de Gansoren peut rentrer dans ce cadre-là. Et puis un autre élément qui nous invite à la prudence, c'est que la résolution demande expressément à ce qu'on achemine les mégots vers des centres de recyclage, et ça a été dit à plusieurs reprises. D'abord, il n'y a pas de centre de recyclage à Bruxelles ni même en Belgique. Et donc, ça pose la question des transports des déchets. Mais au-delà de ça, il apparaît que les solutions de recyclage des mégots ne sont pas encore complètement éprouvées. Ce recyclage nécessite de l'eau, nécessite de l'énergie. On sait aussi que certains polluants qui sont contenus dans les mégots ne sont pas complètement éliminés à travers le recyclage
Et donc, ça pose malgré tout cette question-là. Et donc, il nous semble en tout cas prématuré d'avoir cette exigence d'acheminer les mégots vers des centres de recyclage. Et puis, sur le plan politique, juste une remarque, j'entends certains collègues qui disent que c'est un vote majorité contre opposition. Moi, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Simplement souligner qu'en commission, plusieurs groupes de l'opposition, ça a été dit, la MBA, le CDH, le PTB n'ont pas soutenu ce texte. Et il y a un groupe de la majorité qui a soutenu ce texte. Donc, on n'était pas du tout dans un cadre majorité contre opposition. Au contraire, on était, voilà, chacun des groupes a fait son analyse et s'est positionné sur le texte. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Roberti. Madame Nagy. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je pense qu'il faut remercier Madame Teitelbaum pour son texte et aussi pour la ténacité de son combat. Je pense qu'il faut reconnaître un travail parlementaire de qualité sur un sujet qui est un sujet important, même si peu pris en considération réellement dans ses impacts. Je ne vais pas me répéter ou répéter le rapport, mais voilà, c'est un vrai problème. Je pense que Madame Teitelbaum a compris que, en tout cas, dans la construction de la stratégie de propreté qui est prévue par le gouvernement, un chapitre important concernera la question de la lutte contre les mégots, le traitement de ceux-ci, puisque il est dans la déclaration aussi prévu que on va sortir d'une logique linéaire de travail des déchets vers une logique circulaire qui est celle que vous prenez, Madame Teitelbaum, et je pense qu'il y a là une concordance parfaite avec la déclaration de majorité et ce qui nous a été présenté en commission par le ministre quand nous avons eu l'occasion de l'interroger sur la question des déchets. Je pense qu'il y a un élément, peut-être deux éléments que je voulais souligner. C'est un qui avait été mis en évidence par Madame Casady, c'est la prévention du tabagisme. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose d'important. Beaucoup de personnes, même très concernées par l'environnement, fument et jettent leurs mégots par terre, alors qu'avec ce geste, elles créent sans doute beaucoup plus de problèmes que si elles achetaient un produit à plus de 30 kilomètres de la région bruxelloise. Donc c'est tout le paradoxe de cette question des mégots. Donc, importante sensibilisation, ça je crois que c'est essentiel. Et deux, l'appel au fédéral quand même, parce que la responsabilisation des cigarettiers via les normes de produits et la politique de prévention santé est une compétence fédérale et pourrait être appliquée, je pense, d'une manière assez, efficace pour introduire les externalités négatives dans notamment le prix qui est payé par les cigarettiers, qui est touché par les cigarettiers. Donc voilà, je trouve que c'est une belle ouverture de débat, c'est une belle discussion et je suis certaine que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Madame Teitelbaum. Donc bravo à vous pour votre initiative. Merci Madame Nagy, je ne vois plus de demandes d'intervention. La discussion générale. J'ai entendu quelqu'un intervenir. Viviane Teitelbaum. Oui, Madame Teitelbaum. Oui, merci. Je veux remercier mes collègues pour leurs interventions. Juste dire que ces derniers temps, quelle que soit la commission, quand l'opposition vient avec un texte, on nous rétorque systématiquement que le gouvernement est en train de travailler dessus. Bon, voilà, ça fait. Ça commence à faire un peu répétition et donc. Voilà, je pense que même si le gouvernement est en train de plonger sur un sujet, quand il y a une bonne idée qui vient, on pourrait la prendre en considération. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, Monsieur le Président. Merci, Madame Teitelbaum. La discussion générale est close. En application de l'article 91.4 du règlement, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. L'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de résolution de Madame De Smet et consorts visant à développer le transport ferroviaire de marchandises en région bruxelloise et sur le site de Scarbec Formation. Document A154-1 et 2. La discussion générale est ouverte. La parole est à Monsieur Löwenstein, rapporteur. Oui, bonjour Monsieur le Président. Alors je voulais saluer la qualité du rapport écrit.
et le travail de service. Parlez bien devant le micro, M. Lovenchen, pour qu'on vous entende bien. Vous m'entendez ? Voilà, c'est beaucoup mieux. Je me réfère. Il y a un petit souci. Je me demande si ce ne serait pas judicieux de couper la caméra, M. Lovenchen, et de parler. Essayez un peu. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Je dis encore une fois que je salue le travail de qualité de notre secrétaire de commission, Laurent Blasson, qui a fait un super rapport écrit auquel je me réfère. Voilà. On a un problème, M. Lovenchen. On ne vous entend pas parfaitement. Rapport écrit. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous vous en référez au rapport écrit. Hein. Parfait. Je vous remercie, M. Lovenchen. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Je vais donner tout de suite la parole à M. Busselen. M. Busselen, vous avez la parole. You have the floor. Dank u, meneer de voorzitter. Beste collega's. Ik vraag jullie om onze resolutie goed in overweging te nemen. Want met PvdA willen we het aantal vrachtwagens op de weg verminderen door in te zetten op goederenvervoer per spoor en via de waterwegen. Het behoud van de spoorlijn op de Schaarbeek-Vormingszitte kan daarbij een cruciale rol spelen. Et je vous explique pourquoi le PTB veut protéger la ligne de chemin de fer sur le site de Schaarbeek Formation. Parce que cette ligne est une des deux dernières lignes qui est utilisée exclusivement pour le transport de marchandises à Bruxelles. Parce que cette ligne est la seule qui relie le canal avec le chemin de fer. Parce que la suppression de cette ligne amènera 3500 camions de plus par semaine dans le trafic bruxellois. Et c'est intolérable. Le trafic de marchandises sur la route non seulement provoque davantage d'embouteillages, mais est également responsable de fortes émissions de CO2 et d'autres microparticules polluantes. En Brussel is, zoals we weten, een van de meest vervuilde steden in Europa. En de nood om die luchtvervuiling te verminderen is dan ook heel groot. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Een Europese studie begin dit jaar liet nog weten dat 98% van de vrachtwagens in Europa op diesel rijden. Dat wil zeggen extra vervuilend. Dus over onze intentie om minder vrachtwagens te willen op onze wegen, over deze resolutie, mogen we geen twijfelachtige signalen sturen, beste collega's. De situatie is nu zo dat Infrabel, door toedoen van een absurde federale maatregel uit 2004, de laatste spoorlijn op Schaarbeekvorming zou moeten afbreken voor eind juni. Zo niet moet Infrabel 7 miljoen euro betalen aan het FSI, het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Or, tout le monde semble d'accord sur l'importance de développer le transport de marchandises par train. Le gouvernement fédéral dit vouloir faire du train la colonne vertébrale de la mobilité et prévoit d'ailleurs de doubler le frais d'ici 2030. Le gouvernement régional bruxellois affirme aussi que le transport ferroviaire de marchandises doit être développé. Juste avant d'entrer au gouvernement Vivaldi, Écolo avait même déposé une proposition de loi visant à sauvegarder la connexion ferroviaire du port de Bruxelles. Or, depuis qu'ils sont au gouvernement, c'est silence radio. Il y a urgence aujourd'hui. Si on ne fait rien, ce qui reste des rails va être démoli d'ici fin juin, où de fortes amendes vont devoir être payées, avec des grandes conséquences. Et daarom vraagt onze resolutie aan dit parlement om standpunt in te nemen voor het behoud van de spoor naar Schaarbeekvorming en voor de ontwikkeling ook van een multimodaal logistiek centrum. Nu, in de commissie werd er gezegd dat we onderhandelingen moeten afwachten met de andere actoren in dit dossier. Maar alle betrokken partijen zijn publieke spelers. Of het nu gaat om Infrabel, het FSI, de NEBS, de haven van Brussel, Citydef, allemaal publieke spelers die afhangen van politieke keuzes die verschillende regeringen maken. Zelfs het FSI, die een naamloze vennootschap is geworden, heeft als aandeelhouder een federaal investeringsmaatschappij, die zelf als enige aandeelhouder de federale staat heeft.
Donc, en fait, rien ne vous empêche de confirmer votre position aujourd'hui en votant pour notre résolution. C'est d'ailleurs aussi ce que demande le FIF dans l'article de la DH de cette semaine. On a pu lire qu'il n'imposera pas de démanteler des infrastructures si celles-ci doivent être reconstruites quelques mois plus tard. Plutôt qu'un procès, c'est le projet du ou des candidats acquéreurs qui devrait guider la décision au sujet du planning du non-démantèlement. Donc le FIF lui-même demande que chacun prenne position. Alors qu'est-ce qui vous retient de voter pour notre résolution? Zijn er misschien dan toch tegenstellingen over de toekomst van het terrein binnen deze regering? Tegenstellingen die niet echt het daglicht moeten zien? Want ik vind het opvallend, heel opvallend, hoe weinig transparantie er is in dit dossier. Niemand weet hoe ver het staat met de onderhandelingen. Maar iedereen lijkt het eens te zijn over het behoud van de spoorlijn. Donc, je vous demande de soutenir notre résolution. Non seulement pour empêcher qu'il y ait plus de camions sur nos routes, mais aussi parce qu'on veut même diminuer le nombre de camions. On veut aménager la zone Schaerbeek Formation en gare multimodale de logistique pour stimuler et développer des moyens plus écologiques pour la mobilité de marchandises. Laten we die troef die Schaerbeek Vorming is dan ook verdedigen door ons vandaag uit te spreken over het behoud van de spoorlijn en voor de ontwikkeling van een multimodaal logistiek centrum. Ik dank u. Dank u, meneer Busselen. Alors, je ne vois pas d'intervention ici en salle. Meneer... Ah, ja, mevrouw Van Achter. Ook meneer Verstraten. Voor een korte tussenkomen, oké. Okay. Dus, mevrouw Van Achter. Ja, ik wou toch even tussenkomen, omdat er wordt verwezen naar het rapport. Het rapport is goed. Er is een uitvoerige discussie geweest in commissie. Nu, ook wel op sommige aspecten redelijk absurd. Ik herinner mij dat de collega van de PS zei dat we de meerderheid in dit dossier moesten feliciteren, omdat ze het heel goed aanpakten. Ik viel haast van mijn virtuele stoel. Want als er iets is in dat dossier van Schaerbeek Vorming, dat je toch niet kan zeggen dat aan alle kanten dit dossier goed aangepakt is. Het is een dossier dat zo lang aansleept en waarvan vandaag nog niet weet waar het naartoe gaat. En we hebben ons onthouden op deze resolutie, omdat de vraagstelling is heel goed. Ik denk dat we allemaal vragen hebben. Ik denk dat ook een goed uitgangspunt is dat onze haven moet ontsloten zijn. Maar alle oplossingen in de resolutie, daar kan ik mij niet bij aansluiten. Bijvoorbeeld alle sporen opnieuw aanleggen. Ik denk dat dat een oplossing is die minder zinvol is. Ik hoop dat we in het parlement toch nog meer antwoorden zullen krijgen op dit belangrijk dossier. En we zullen ons vandaag dan ook onthouden op de conclusies om de resolutie te verwerpen. Dank u, mevrouw Van Achter. Alors, j'ai encore d'inscrits. Et puis je clôture. J'ai monsieur Verstraten, j'ai monsieur Commence de Brachen et monsieur De Patoul. Meneer Verstraten, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat over dit voorstel van resolutie ten gronde iedereen het erover eens is. Dat is voldoende bevestigd tijdens de commissie. Iedereen is erover eens dat goederenvervoer per spoor efficiënter is dan over de weg. En dat Brussel er alle baat bij heeft om deze spoorverbinding te behouden. En ik denk iedereen is het ook eens over een aantal essentiële feiten. Er is bijvoorbeeld een Europese verplichting om een spoorverbinding te hebben naar de haven. Er is in het verleden een KB aangenomen, een koninklijk besluit, dat FSI verplicht om het spoor weg te halen. Dat is ook een bekend feit. En het is in de afgelopen jaren, dat kunnen we eenvoudigweg vaststellen, nog voor geen enkele van de vorige regeringen gelukt om daar een oplossing voor te vinden. Dat zijn de feiten. En wat er ook een feit is, dat er nu overal is bevestigd, bij de federale regering, in het parlement, in de media, en ook in de Brusselse regering, in het parlement, in de media, dat er de wil is om een oplossing te vinden voor het behoud van die sporen. En dus mocht dat niet zo zijn, dan was die resolutie die ervoor ligt relevant geweest. En in het verleden was dat niet zo, en dan waren resoluties relevant.
ambten hebben wij er met Ecolo en Groen zelf ook ingediend. Maar nu is er wel degelijk dit signaal van de betrokken regering, en zo'n resolutie is niet langer relevant. En dat is denk ik voor onze essentie. Er is een duidelijke bevestiging dat er zal gewerkt worden aan een oplossing door de betrokken niveaus. Het heeft geen zin dat we dat dan nog eens opnieuw gaan vragen met de parlementen. En dus steunen wij dit voorstel niet. Dank u wel. Dank u, meneer Verstraeten. Monsieur de Brachijn. Merci, monsieur le président. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Merci pour cette précision. Monsieur le président, je souhaiterais tout d'abord vous dire à quel point je déplore une forme d'indécence. Le terme indécence ici ne me semble pas trop galvaudé de la part de certains membres de la majorité, car oui, il s'agit bien d'indécence lorsqu'on vient vous demander le matin même une commission de reporter purement et simplement la discussion des points à l'ordre du jour. Car, je le cite, on n'a pas eu le temps de lire et prendre connaissance de la proposition et que l'on souhaite pouvoir avoir des arguments nécessaires pour débattre de la thématique. Or, quand je vois, et je m'en excuse ici, mais la pauvreté des arguments avancés la semaine suivante, lorsque le texte a finalement été débattu, je me dis qu'on aurait bien pu s'éviter un tel report. À titre personnel, certes, je pense bien connaître la thématique de la logistique urbaine, pour avoir été notamment en charge de la centrale d'achat pour la ville de Bruxelles, soit une centaine de personnes, mais également, jusque récemment, administrateur du port de Bruxelles. Néanmoins, bien que l'on m'ait demandé d'intervenir sur le point moins de 24 heures avant la commission, j'ai travaillé jusque tard la nuit pour prendre connaissance du texte déposé et rassembler l'ensemble des éléments qui me semblaient nécessaires. Je pense dès lors qu'il était possible de le faire également dans le chef des membres de la majorité qui découvrait par ailleurs le texte bien avant moi. Finalement, la position de la majorité visant à reculer l'étude de ce texte aura occasionné un vrai retard, et ça je le déplore, un vrai retard pour la commission mobilité d'une part, mais finalement est à l'image de ce qui s'est passé dans ce dossier complexe des voies de chemin de fer sur le site de Scarlet Formation. À savoir, trop tard, trop peu, et je m'excuse, souvent trop à côté de la plaque. Alors pour le dire autrement, le port de Bruxelles et le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale ont largement tardé à réagir par rapport à la suppression de ces voies. Alors que, dois-je le rappeler, la plupart des partis de la majorité, de votre majorité, ont eu la responsabilité sur la SNCB ces 15 ou 20 dernières années. Or, ce sont ces dernières années, et je le sais de bonne source, que des relances fréquentes ont été faites, des appels du pied de la part de la SNCB et des responsables en charge au niveau politique de ce dossier. Et ce retard a des conséquences potentiellement très graves et très dommageables pour le site, mais aussi pour son développement, ainsi que pour le développement de la logistique, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de la logistique, et on sait bien qu'elle a pris une ampleur particulière ces derniers mois dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons. Le dossier de Scarlet Formation a déjà été abordé de nombreuses reprises par les gouvernements qui se sont succédés depuis 2004, pour finalement être une zone non affectée, alors qu'elle représente pourtant un vaste domaine pouvant être valorisé. La zone de Scarlet Formation est identifiée comme ZIRAD, je crois qu'ici on peut vraiment le dire, aménagement différé prend tout son sens. Le port a pour sa part demandé de pouvoir disposer d'un espace de 40 hectares afin d'y implanter de nouvelles activités et plus précisément des activités logistiques. Dois-je le rappeler, la logistique est devenue le parent pauvre ces 20 dernières années en région Bruxelles-Capitale puisque, vous le savez probablement, la plupart des activités logistiques ont quitté notre région pour se retrouver en région flamande, voire en région wallonne. C'est un vrai souci sur les terrains du port, là où il pourrait potentiellement s'implanter et apporter cette plus-value. Alors rappelons que cette zone se trouve à proximité du canal et donc un endroit privilégié pour accroître le trafic fluvial d'une part, mais évidemment est aussi, et ça a été rappelé par le premier intervenant, le seul endroit, je dis bien le seul endroit où il est encore possible en région de Bruxelles-Capitale de faire du trimodal. C'est important de le rappeler. Donc la voie d'eau, la voie ferroviaire et la voie, évidemment, par route. C'est très important de le signaler parce qu'il peut y avoir cette interconnexion, évidemment, des plus-values et je pense que c'est un élément important à rappeler. De plus, ce raccordement est actuellement mis à mal par Infrabel, c'est comme ça qu'on le voit, qui veut procéder à un démantèlement de ce raccordement ferroviaire. Je rappelle qu'il y est forcé, évidemment, par un contrat qui n'est pas récent, ce qui priverait le port d'un raccordement ferroviaire, comme je le disais, et cela me semble inacceptable.
le port a introduit un recours contre cette décision, malheureusement bien trop tard, et des plaidoiries sont fixées au début de ce mois-ci, afin d'obtenir le maintien de ce raccordement ferroviaire. Autre point faible, depuis des années, il est question que Skarbek Formation, sans que la démonstration soit faite par les différents gouvernements, la volonté de la région de faire de ce site un centre logistique performant, permettant enfin, comme je le disais, de disposer d'une zone logistique concurrentielle par rapport aux deux autres régions, et ça c'est un élément important. Donc je rappelle que déjà en décembre 2007, ma collègue Françoise Kettmans interpellait votre gouvernement, à l'époque, sur le sujet et déclarait « Je reproche au gouvernement les lenteurs mises en œuvre » en 2007. En 2021, l'acquisition annoncée depuis de nombreuses années n'est toujours pas finalisée. Dois-je rappeler là aussi que le gouvernement Vervoort II avait annoncé que l'acquisition du site de 40 hectares aurait lieu via CityDev en 2020. On ne le voit toujours pas venir. Voilà. Ce point fut confirmé par le ministre Marron en octobre 2020 encore, à savoir que, et je le cite, le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale devrait dès lors très prochainement confier à CityDev la mission d'acquérir ce terrain appartenant au FIF. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Telzeran, on ne voit toujours rien venir. Rappelons aussi que GoodMove précise que pour assurer l'approvisionnement de la région, le potentiel de transport de fret sera intégré à la réflexion stratégique sur l'offre ferroviaire afin de ne pas priver de cette possibilité à moyen et long terme, mais au contraire de pouvoir le développer. Tout le monde semble donc d'accord sur l'enjeu fondamental pour le développement économique de la région. De récentes publications font état de l'accroissement des activités logistiques, je l'ai déjà évoqué, depuis la crise sanitaire en région bruxelloise, et on a l'impression qu'ici, le gouvernement reste malheureusement aux abonnés absents. Encore une autre déclaration. En novembre 2013, Rudy Vervoort, toujours lui, fraîchement nommé à l'époque, annonçait avoir tranché dans le dossier Skarbek Formation et qu'une grande partie du site serait dédiée aux activités logistiques et au logement. Bon, je rappelle qu'il parlait là aussi de conclure la vente pour la fin de la législature. Fin de la législature, on parle de 2014 hein, à l'époque. Alors aujourd'hui, il est clair qu'on peut évidemment se poser des questions par rapport à tout ce qui a été annoncé jusqu'ici. Critiquer, c'est une chose, mais peut-être agir serait plus opportun dans le cadre de ce débat. Le contrat de gestion du port 2013-2018 stipulait lui aussi à l'article 13 que la région mettait tout en œuvre pour que le port dispose de surfaces additionnelles sur le site de Skarbek Formation, afin d'y implanter la fameuse plateforme logistique et économique définie dans l'étude de marché relative et approuvée par le même conseil d'administration du port en novembre 2012. Je rappelle que je n'y étais pas encore administrateur à l'époque. Vous ne voyez donc pas de conflit d'intérêts en la matière. Dans différentes déclarations de politique générale, le site de Skarbek Formation est cité comme investissement important à réaliser. À titre de comparaison, des plateformes logistiques équivalentes existent dans d'autres ports, pour d'autres ports intérieurs comme le nôtre, qu'il s'agisse de Genk, avec de très importants investissements de la part d'Essers, par exemple, dans le port de Liège, où la plateforme Trilogiport a vu le jour et connaît un succès foudroyant, grâce notamment à l'arrivée de Joost. L'annonce en juin 2020 d'une nouvelle entreprise logistique qui vient s'installer aux portes de Bruxelles, en bordure du canal. Donc, vous voyez, la concurrence, elle se fait juste à nos portes sans que nous puissions en bénéficier et profiter, évidemment, de cette plus-value économique. Quelques éléments supplémentaires quant à la proposition du PTB. Alors, il a surtout été mis en avant le fait qu'il y a un jugement en cours pour un litige entre le FIF et la région. Ça, c'est vrai que c'est un élément problématique. La région aimerait, en fait, acquérir le site pour une somme absolument ridicule et, évidemment, en ayant écarté d'emblée la plupart des promoteurs, développeurs ou investisseurs potentiels, la région aujourd'hui souhaite acquérir ce site à vil prix et on peut comprendre évidemment qu'il y a toujours une négociation en la matière. Néanmoins, je pense que le prix proposé me semble tout à fait honnête par rapport à ce que la région compte y faire. Et je souhaite ici le rappeler, ne tardez plus aujourd'hui parce qu'il y a évidemment des promoteurs qui sont toujours intéressés aujourd'hui à cela et il n'y a toujours pas d'empêchement pour eux de l'acquérir. C'est aussi important de le rappeler. De plus, M. Verneuil a bien mis en avant
Ce qui posait problème dans le cas de la région, c'est l'absence de plan global en la matière. La région ne paraît pas avoir de plan pour l'utilisation de cette énorme parcelle. Il y a aussi rappelé les principes ferroviaires, la mise en place d'une liaison chargée de raccorder et non du raccordeur. Et donc, ce serait à la région de prendre ce coût de raccordement en charge si elle venait à acquérir le terrain. Venons-en très rapidement à la proposition. Je l'ai dit, elle met en exergue un certain nombre de faiblesses de la part de la région et du port. Croyez bien, de nouveau, que je le déplore. Mais néanmoins, malheureusement, dans son développement, je pense qu'il y a de lourdes faiblesses que nous avons relevées. Et donc, je pense que de temps en temps, on était presque dans le complotisme le plus aberrant, et je le déplore, parce que je pense que sur le factuel, il y avait en tout cas des éléments au départ qui étaient intéressants et qui étaient relevés. J'espère sincèrement que la région, le gouvernement bruxellois, pourra entendre ces éléments, pourra atterrir au plus vite sur ce dossier qui n'arrête pas évidemment de susciter aujourd'hui des réactions, et je pense qu'il est temps vraiment, malgré la crise sanitaire, d'avoir un accord enfin avec le FIF. Ce serait vraiment un principe de bonne gestion, et à ma connaissance, avec le nouveau ministre en charge de la SNCB, il y a lieu de pouvoir avoir cet accord, me semble-t-il, Monsieur le Président. Voilà. Pour le reste, vous l'avez bien compris avec mon groupe, nous pouvons nous abstenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Brachen. Je cède à présent la parole à Monsieur de Patoul. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaitais brièvement intervenir, puisqu'effectivement le transport ferroviaire, c'est une solution qui est écologique, ça pollue beaucoup moins, consomme moins d'énergie, ça permet aussi de régler des problèmes de mobilité. Et donc mon groupe soutient tout à fait le fait que le raccordement ferroviaire au port de Bruxelles doit être maintenu. Maintenant, je rejoins un petit peu aussi l'avis de mon collègue Arnaud Verstraat, et pour dire que le gouvernement utilise une série de voies utiles afin de défendre les intérêts de la région dans ce dossier, et je plaide bien entendu pour que le maximum puisse être fait afin de trouver une solution dans l'intérêt de tous les Bruxellois et Bruxelloises, et je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur de Patoul. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. La discussion générale... Oui, une réplique peut-être, d'accord. Si vous voulez une petite réplique, je vous en prie. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Ik moet de collega van de MR toch bijstaan, want hoe vreemd het ook kan klinken, over de manier waarop het dossier plots van de agenda werd gehaald in de commissie. Dat was inderdaad onfatsoenlijk. Ik zie in de commissie COVID dat er aanbevelingen worden gegeven net de dag voor de bespreking. Hetzelfde in de meerderheidsakkoorden krijgen wij heel veel tekst en moeten wij dat kunnen verwerken in weinig tijd. Dus dat was echt een non-argument. En wat ik ook onfatsoenlijk vind, is de manier waarop Ecolo en Groen onze resolutie van tafel vegen, omdat alle actoren akkoord lijken te zijn over de Willemeren spoorweglijn te behouden, maar zonder dat er één antwoord wordt gegeven op het feit dat de sporen dreigen afgebroken te worden eind juni. Dus dat is toch wel een heel belangrijk element. Daar wordt gewoon niet op ingegaan. Zonder de oppositie, laat staan de burger in te lichten over die onderhandelingen. Waar staan ze? Wat is eigenlijk het probleem? Daar wordt gewoon niet over gesproken. Dus ik vind dat toch wel een beetje een heel grote tegenstelling tussen het profiel, het discours van transparantie, van participatie, van discussie, democratie enerzijds, en dan anderzijds eigenlijk een soort bijna achterkamerpolitiek, of in elk geval heel weinig informatie over hoe het nu zit met dit dossier. En dat dossier sleept al 20 jaar aan. Dus ik kan alleen maar zeggen dat wij verder zullen dit dossier op tafel leggen en dat wij toch ongerust blijven over de toekomst van Schaarbeek-Vorming en dat wij hopen dat er een aantal mensen onze resolutie zullen ondersteunen in dit halfrond. Ik dank u. Dank u, meneer Busselen. Je ne vois plus de demande d'intervention. La discussion générale est close. En application de l'article 91 du règlement, nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la commission. Alors, chers collègues, je vais suspendre nos travaux et nous allons reprendre nos travaux à 14h30 par les questions d'actualité. À tout à l'heure.